bon matériel. Ils sont 16 et il n'en restera qu'un. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Les playoffs sont de retour à Poitiers, à un an qu'on les attendait ici. Et pour faire vivre cette belle rencontre qui s'annonce, je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut Joël, ça va bien? Ça va et toi? Bah ça va très bien. Pleine forme, ambiance de playoff, la salle de Jean-Pierre Gagné qui se remplit, ça va être plein à craquer ce soir. Et ils se remplissent, sont tous habillés en blanc, en tout cas la majorité, ça fait plaisir, une belle salle pour un, sûrement un beau match. Donc le match qui nous attend ce soir, c'est le match 2 des huitièmes de finale de play-off du championnat de France de National Masculine 1. Le BB86 reçoit le CEP Lorient Brest Basket. Match 2, pourquoi? Puisqu'il y a déjà eu un match à l'extérieur et le BB86 s'est imposé. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais avant toute chose, sachez, mesdames et messieurs, que le partenaire du live ce soir, c'est le République Corner, le bar cité à Poitiers dans la zone de la République, qui est parrain du match pour cette belle soirée de basket qui s'annonce. Louis, ça y est, ça fait un an qu'on l'attendait. Après la campagne déceptive de l'an dernier, le BB86 est de retour en playoff. Et oui, ça, ça fait plaisir. Maintenant, on sait que l'espoir de monter directement suite à la phase 2 s'était envolé depuis plusieurs semaines. Mais les joueurs ont su répondre présent et se sont préparés pour cette phase de play-off. Et le public ne s'y trompe pas parce que ce soir, ils répondent en masse. Et ils sont tous présents pour remplir la salle Jean-Pierre Garnier au maximum. Avant de reparler du match qui s'est déroulé il y a une semaine de cela, on va faire un petit récap pour que tout le monde soit au point et aime les mêmes infos tous ensemble qu'on puisse suivre la rencontre. Alors on va revenir pour ça un an en arrière. Le PB86 s'était incliné face à Caen ici même. C'était en quart de finale des playoffs. Saison déceptive au final puisque le PB espérait remonter. S'en est suivi une saison 2022-2023 avec une quatrième place à l'issue de la phase 1, puis une poule haute pour la phase 2. Le BB86 a fini 8ème, 7 victoires, 11 défaites. Et nous voilà donc en 8ème de finale, Louis, oui, des playoffs, avec un match 1 qui s'est déroulé il y a une semaine, on le disait, et une victoire sur le fil. Ah, une vraie victoire sur le fil parce que c'était un combat de tous les instants. La défense devait être très rude et c'est un match qui finit très serré. 70-71, victoire pour le PB86 qui s'est vraiment imposé sur le fil, comme tu le dis, Joris. C'était un match avec beaucoup de déchets, comme par exemple le CEP Lorient qui a marqué tout simplement 0 points dans les deux dernières minutes. Et là, tout simplement, eh bien, c'est soit la victoire pour le B86 et qualification en quart de finale, soit s'il y a une défaite ce soir, on se retrouvera dans deux jours ici même pour la belle entre les deux équipes déterminées qui montera en quart de finale. Tout de suite, on va vivre ensemble la présentation des joueurs du BB86. Nous, on va se retrouver en cabine commentateur. Vous pouvez vivre l'ambiance de cette belle salle Jean-Pierre Garnier qui se remplit, qui se lève pour vivre la présentation des joueurs du BB86. Restez avec nous, on se retrouve en cabine commentateur dans quelques petites secondes. A tout de suite. Ça y est, nous nous retrouvons en cabine commentateur avec la fin de la présentation des joueurs du PB86 et une salle Jean-Pierre Garnier qui, de là où nous sommes, est pleine à craquer. Ça va se remplir pour les derniers sièges encore disponibles dans les prochaines secondes et on va pouvoir vivre un début de match avec une ambiance qui s'annonce, oui, complètement folle. Bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans le chat, comme d'habitude, si vous en avez l'habitude. Eh bien, vous savez que vous pouvez interagir avec nous tout au long de cette belle soirée de basket. Vous écrivez des petits messages dans le chat. Vous nous donnez des infos si vous êtes supporter breton de votre équipe, des petites anecdotes, on en raffole. Et n'hésitez pas eh bien, à interagir avec nous, à poser des questions à notre expert basket, Louis, ce soir, qui saura répondre à toutes vos questions, ou presque. On va essayer. Et la fin de la présentation des effectifs, mais on va passer à...
un autre protocole. C'est la remise du prix à un certain Marcus Rashford, l'américain du PB86, qui avant de se blesser, eh bien, a été le deuxième meilleur marqueur du championnat de France de National 1. Il réalise une saison totalement exceptionnelle et pour ça, eh bien, il a été élu dans le 5 majeur du championnat de France de National 1. Le voilà avec son trophée. Et quel joueur, hein, il le mérite. Il le mérite totalement avant sa blessure. Ça fait déjà quelques mois qu'il est blessé, Marcus, mais c'est lui qui portait le PB86 sur ses épaules. Ah oui, oui, gros meneur d'hommes, gros shooter. Il faisait un taf extraordinaire. Et qui a été remplacé il y a quelques semaines de cela, au début de la phase 2, par un certain Courtney Stockard. Si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître parce qu'il fait un sacré boulot pour les poids de vin. Alors Louis, avant de passer à la présentation des effectifs dans quelques instants, tu voulais revenir sur le match 1 avec notamment trois joueurs qui ont brillé et qui ont permis au PB86 de s'imposer. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'était un match qui était très très serré. Le PB s'impose finalement sur le score de 71-70, mais on voit qu'il y a trois joueurs qui ont vraiment su faire briller l'équipe sur ce match. Le premier, c'est Courtney Stockard. On le sait, c'est un gros scoreur sur tous les matchs. Ici, il est venu inscrire 22 points directement au CEP. Donc un très gros match pour lui. Sinon il y avait aussi Bali Koulibaly qui est venu inscrire 18 points avec une performance de 14 rebonds dont 8 rebonds offensifs. Donc il ferait vraiment un véritable travail dans la raquette. Il va falloir le surveiller ce soir, on en reviendra dans un instant. Et aussi Alexis d'Argenton qui vient inscrire 14 points avec 9 rebonds, qui ne cesse en ce moment de faire grimper ses stats avec des performances de plus en plus belles. Et puis on va pouvoir y revenir sur ces joueurs poids de vin en attendant la présentation du CEP Lorient Brest Basket, avec des noms qui doivent vous dire quelque chose, notamment à certains Hugo Soir qu'on a l'habitude de voir sur les terrains de 3-3 mais qui brille également dans cette équipe bretonne. Kevin Mondésir, Arnaud Adala, Ahmed Doumbia, tout ça c'est des gros CV de National 1 et même plus. Et puis dans la raquette, un certain Pape Bey, on va y revenir en quelques instants, qui a fait un boulot extraordinaire pour ce match 1. Et Louis, le côté PB86. Côté PB, on les connaît à l'intérieur. Jimbo, Jim Seymour, Courtney Stockard, comme on l'a dit, qu'il va falloir surveiller. Alexis d'Argenton. À la main, le nouveau Armand Mensa qui est venu remplacer Charlie Pontan suite à sa blessure. Il a le pro, un des joueurs, et aussi le capitaine Kevin Mendy. On le voit en gros plan, Bali Koulibaly, on l'a dit, à surveiller. Il va y avoir de gros duels dans la raquette. Et en parlant de duel, Joris. Eh bien, le voici, notre face-à-face du soir, avec cette présentation du côté Poitevin, Bali Koulibaly, ancien Lorienté. Il a passé 2 ans à Lorient et il arrive tout juste au PB86. Il a sorti une perf totalement exceptionnelle. 18 points, 14 rebonds, mais surtout, la stat importante, c'est les 8 rebonds offensifs. 8 rebonds offensifs qui ont fait du mal au CEP Lorient et qui, au final, a permis au PB de s'imposer. Et puis en face, Pape Bey, dans le même domaine, dans cette raquette. Ancien pensionnaire de Pro B, Pape Bey. Il a plusieurs années, 9 années de Pro B, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il arrive de Saint-Vallier dans cette seconde division. Et puis, il a réalisé également un carton dans la raquette pour le match d'aller. Donc, on va avoir un vrai duel sur le poste 5. Bali Koulibaly, Pape Bey, retenez bien ces deux noms parce qu'ils vont souvent être mis à l'honneur ce soir. Le 5 de départ du côté Poitevin avec à la main Armand Mensa dont tu as parlé il y a quelques instants, Louis. Et puis pour le supplé, Kiso Moera qui fait la rotation depuis la blessure de Marius Chambre également sur ce poste de meneur. Ouais, une grande vision de jeu qui est assez pratique pour le PB86. Courtney Stockard sur le poste 3 pour remplacer Marcus Rashford depuis quelques semaines, on vous le disait. Et puis la raquette qui fonctionne bien également, Alexis d'Argenton, Bali Koulibaly sur le poste 4-5. Et puis rapidement pour le 7 Lorient à la main. Hugo Soir, supplé par Ahmed Doumbia. On retrouvera bien sûr Pape Bey, Ibrahim Djambo et puis Robert, le jeune Christopher Robert, 22 ans tout juste. Et voici ce début de rencontre. Premier ballon pour les Bretons. Le CEP Lorient Basket aura la première possession avec Ahmed Doumbia. Ah, première passe ratée. Ça sera une première perte de balle. Et un ballon récupéré par les Poitevins. On sait, match très important. Ça s'est joué à pas grand chose sur le premier match. Il va falloir rien lâcher sur ce deuxième match de rencontre de play-off. Si jamais le PB86 veut s'imposer. Alexis Argenton à 3 points.
Et bien voilà comment on lance un match de play-off à la maison. Alexis d'Argenton, plus 3 pour le PB 86. Ça part vite. Réponse tout de suite pour Ahmed Toumbia. Une menace à tous les niveaux, capable de shooter à 45% derrière l'arc, mais également de scorer avec une finition excellente près du cercle. On voit Bali Koulibaly poste bas qui est fermé, contre Stockard qui va être trouvé pour un shoot à l'opposé de Alexis d'Argenton, mais qui n'aura pas le même résultat au final. Ballon récupéré par Seb Lorient. Bon décalage, ça c'est bien fait. Et ça va tomber dedans pour Pape. Je vous le disais, 17 points, 8 rebonds en 24 minutes au match aller. On pourrait le voir avec beaucoup plus de temps de jeu ce soir. Oui, une zone proposée par Seb Lorient depuis le début de rencontre. Une zone 2-3. Alexis D'Argenton qui continue. C'est assez compliqué, mais là, ils ont réussi à trouver l'ouverture sur Alexis, justement. Les joueurs n'étaient pas prêts pour son ouverture, mais ça attaque rapidement. Et dommage, ça sera manqué pour Ahmed Toumbia. Rebond 10 qui va décaler contre Stockard. Et on va pouvoir relancer. Ça y est, on est repassé sur de l'indive. Bien fait, la passe en backdoor pour Armand Mensah qui va retrouver Alexis d'Argenton. Ça sera une passe, on ne savait pas trop. C'est récupéré, attention au chrono. On va le retrouver, Alexis il est en confiance. Et il ne pourra pas enchaîner. Ça ferait 8 points en 2 minutes pour Alexis, ça aurait fait un début de match tonitruant ça. Et bien dans la même position, Pape bien sûr dans son jardin. Ah, on le sait, faut pas les laisser ces shoots là. C'est Ibrahim Djambo pardon qui va scorer là-dessus. On voit cette zone 2-3 qui vient perturber le PB86. Il faut savoir trouver les ouvertures. On le disait, Bali Koulibaly qui voulait faire un véritable travail offensif, qui là tout de suite est effréné par cette zone. Oh, on essaie de le retrouver. Tout seul, en dessous, il va aller scorer pour le PB86 qui repasse devant. 7-6. Et un duel, un nouveau duel. Ça on joue fort au poste. De ces duels post-bas entre Papey et Bali Koulibaly. Et là c'est Papey qui trouve la solution. Très très bien travaillé. Tout ouvert. Bien sûr qu'il va le prendre ce shoot. Bien sûr. Et c'est de l'or. Bien sûr qu'il va le mettre. Contre Stockard. Plus 3 pour le PB 86. Hugo Suard qui va Ça trouve l'ouverture. Oui. C'est trop simple ça pour les Lorientais. Et Hugo Suard, on le connaît. Hein, c'est un maestro en attaque. C'est lui qui distribue le jeu. 11 passes décisives au match 1. Un vrai meneur d'homme, un vrai leader offensif. Et on est repassé sur de la zone pour Lorient contre Mistocard. Pour retrouver Kiss, il va rester 5 secondes cette possession. Kiss va falloir trouver un shoot, il est passé. Et il sera intercepté. Et bien ça sera un airball en fin de possession. Il était dur ce shoot hein, pour Kiss, mais il n'y avait pas d'autre solution. On le voit sur ce plan, le public poitevin qui a su répondre présent, tous habillés de blanc et qui viennent essayer de mettre de la pression sur la remontée de balle du CEP Lorient. Hugo Suard sur un système similaire à tout à l'heure. Cette fois-ci, on va trouver une alternative en attaque. Se poster. Ça cherche à jouer le poste sur Alexis d'Argenton. Mais interception. Bien suivi, Courtney Stockard qui part en contre-attaque. Oh la passe, bien interceptée par Ahmed Toumbia. Oh, ça se bataille, ça se bataille. Sortie, balle gagnée pour le PB86. Ah, on voit l'intensité des playoffs, ça se jette sur chaque ballon. Ah, mais là, ce match d'un autre côté, il est important pour les deux équipes. Soit c'est la montée du PB86 et du coup, le CEP Lorient s'arrête tout de suite. La montée en quart de finale. Soit le CEP Lorient aura encore un match pour essayer de gravir ce palier. Ah, là, c'est totalement Lorient qui est en situation de faiblesse puisqu'il faut gagner ce match à tout prix. Sinon, c'est le retour à la maison et les vacances. Et ben, c'était quasiment pour nous cette passe. Manqué par Armand Mensah. Et on va retrouver la possession du ballon pour les Bretons. Le jeu au poste. Papey, une nouvelle fois dans son duel face à Bali Koulibaly. Ça y est, ça va.
Ça va s'arrêter là pour la réussite de début de match de Pape Bey. Alexis d'Argenton, il a de l'espace, il va attaquer décalé sur Courtney Stockard qui va manquer à 3 points. Ouh, et Bali qui va prendre une faute un peu bête là-dessus. Cédric Berthoret, l'arbitre de cette rencontre. L'un des deux arbitres de cette rencontre. Bali Koulibaly est attrapé par la patrouille qui va écoper de la première faute de cette rencontre. Un début de match bien moins haché que le match aller. Pour l'instant, ça répond bien les deux équipes, mais le Sep Lorient commence quand même à trouver plus d'ouverture. Et ils enchaînent, et à chaque fois sur ce même système, la défense de pick and roll est mauvaise pour le PB86. Pape Bey se retrouve constamment tout seul sous le panier. Il y a une mésentente entre Bali et Armand sur la défense du pic. Les deux sortent sur le meneur et résultat, Pape Bey se retrouve tout seul dans la peinture à chaque fois. Et on va effectuer un double changement du côté Poitevin. Changement également pour le Sep Lorient avec Christopher Robert qui laisse sa place à Quentin Hanck. Bali Koulibaly et Armand Mensa vont aller se reposer quelques instants. Morgan Durand et Jimbo, il peut y arriver. Un mélange entre Jimbo et Jimbo, son surnom. Jimbo qui fait donc sa rentrée sur le parquet. Allez, de retour sur cette zone 2-3 proposée par le Sep Lorient. Alexis d'Argenton en tête de raquette, ça sera manqué. On le voit, ça retente les pick and roll. Hugo Soir à la baguette. Je vous parlais d'un maître à jouer, c'est totalement ça. Ahmed Doumbia qui est capable lui aussi de leader l'attaque. Va aller chercher deux lancers francs, bien provoqué. Ouais, leur attaque au Sep Lorient qui est très efficace, leur pick and roll. On ne sait pas pour l'instant ce que va mettre en place le PB sur les prochains, mais c'est soit les deux joueurs sortent pour venir bloquer le meneur, soit Bali en soit à l'intérieur pourrait rester sur son joueur, mais on le sait, ça attaque très très fort et très rapidement, et si le joueur n'est pas directement bloqué, avec un écran, s'il n'y a pas d'aide derrière, il peut directement aller au panier. Ils ont ce point fort, le Sep Lorient, il va falloir réussir à bloquer tout ça pour le PB. Vous êtes déjà 500, plus de 500 à être connectés en live, merci à vous. Une belle soirée de basket qui nous attend. Et il va rester 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps avec 4 points d'avance pour les Bretons. Alexis d'Argenton qui va se muer en passeur pour retrouver Morgan Durand. La gâchette Poitevin capable de dégainer n'importe où. Courtney Stockard va rester court. Jimbo s'était élevé pour la récupérer. C'est bien battu ça. Herb Martinic qui s'est envolé haut dans le ciel. Le shoot de Morgan Durand à 3 points. Morgan à 3 points pour recoller. Je vous parlais d'une gâchette. Eh bien, il a tiré sa première balle. Ça bon défend décalage. Fort, je suis ouvert à 3 points. Ça, c'est un bon décalage pour Quentin Hanck qui va répondre tout de suite. Allez, Courtney pour retrouver Morgan. Ah, il ne va pas se poser de questions. Hein. Morgan, il est capable de les enchaîner toute la nuit. Et là, attention. Attention, parce que quand il est lancé, il peut vite dégainer. Attention, messieurs les Bretons, parce que il y en a qui ont essayé de lui laisser de l'espace et ils ont eu des problèmes. Et oui. On va retrouver Ahmed Doumbia une nouvelle fois sur la ligne. Lui qui provoque faute sur Courtney Stockard, enfin deux Courtney Stockard, qui va enclencher directement un changement du côté Poitevin. C'est déjà la deuxième de notre Américain. Avec la sortie de Courtney. Le captain, lui. Kevin Mendy. Alors pendant ce temps de mini-pause, lui, un petit point stat avec Pape Bey qu'on voyait en réussite sur ce début de match. Bah, 8 points pour lui. 8 points en 7 minutes. On vous en parlait de ce système qui le mettait en valeur à chaque fois. Et bien pour l'instant, il trouve le chemin du filet et il enchaîne. Deuxième lancer franc, validé. Sera réussi, 3 points d'avance pour les Bretons. Morgan Durand pour 3 de suite. On va s'arrêter là sur la série. C'est gourmand. Mais attention parce qu'une zone, si on ne sort pas fort sur les shooters,
elle peut rapidement être éclatée cette zone. Alors ça peut être un choix stratégique parce que sur les derniers matchs du PB 86, les shoots n'étaient pas encore calibrés, mais on le sait, c'est une équipe quand même de gros shooters. Qui se lève et qui va manquer ce shoot. Oh, et c'est bien suivi. Bien placé une nouvelle ça fois. Ça revient. Interception. Qui va retrouver ce ballon. Oh, oh là. Passe du capitaine Quentin qui est ça tout part seul. Tout seul. Et il va aller déposer tranquillement ce lay-up. 5 points d'avance. Ah là, ça se bat. Là, on le voit dans tous les instants. Personne ne veut rien lâcher. Oh, oh la mauvaise passe. Attention, les pertes de balles pour les Poitevins. Hugo Suarez en contre-attaque. Quentin Hanck, il vient d'en mettre un. Mais il va intelligemment calmer le jeu. Remettre en place. Ça joue directement. Ahmed Doumbia, bien défendu. Hugo Suarez qui va s'élever mi-distance et qui va rester court une nouvelle fois. Morgan pour retrouver Kevin Mendy. Oh, attention Kevin, ça fait deux ballons de suite. Alexis Largenton face à Ahmed Doumbia qui va lancer une passe en l'air par-dessus le compte d'Alexis Largenton et on va aller scorer pour prendre 7 points d'avance pour les Bretons. Obligé de prendre un temps mort le coach Andy Thornton Jones. Ah oui, là c'est des phases d'action qui ont été enchaînées du côté PB 86 qui ne leur font pas honneur. Attention aux pertes de balles, on sait ça peut aller très vite et mettre en difficulté l'équipe. Sepp Lorient qui commence à prendre l'avantage 23-16. Ils ont déjà 6 pertes de balles les Poitevins. 6 en 8 minutes 30 de jeu, c'est trop, beaucoup trop. Et sachant qu'ils étaient juste à 2 ou 3 il y a 2 minutes, les dernières phases n'ont pas été bonnes pour l'instant du côté Poitevin. Un petit point sur le match aller, on avait dit les Bretons totalement dominés, notamment au niveau des rebonds, Louis, oui. 43 rebonds pour les Poitevins, 26 seulement pour les Lorientais. Eh bien, en ce début de match, pour l'instant, Lorient s'est adapté et mène au niveau du total des rebonds. 7 rebonds à 4 pour l'instant. Alors, ça ne veut trop rien dire sur ces premières minutes, mais ce chiffre sera à surveiller, savoir si les ajustements du coach Maucourant ont porté leurs fruits. On va repartir avec le même 5 pour Poitiers. Un petit changement du côté lorienté avec l'entrée en jeu de Ibrahim Saounera en lieu et place d'Hugo Suarez sur le poste de meneur. Et Kiss, qui depuis quelques secondes est obligé de jouer son rôle de meneur lui aussi, même si ce n'est pas son poste naturel. Mais avec la sortie d'Armand Mensah, il est le seul à pouvoir le faire. Oh, Alexis. Alexis est énervé. Il a du feu dans les jambes. Il attend que ça claque un dunk. Et nouveau changement pour le Sepp Lorient avec la sortie de Pape Bey, remplacé par Quentin Lausserre. Lui qu'on a vu échanger en avant-match avec Armand Mensah, ancien coéquipier à Denain en Pro B. Attention, lancer franc. Premier validé. Ça fait du bien. On fait attention au lancer parce que sur le match aller, c'était pas trop ça. Ah, c'était même pas du tout ça. Petit point stat. Lorient était à 12 sur 21, soit 57%. Le BB86 a fait un très mauvais 17 sur 32 sur la ligne des lancers. Ça aurait pu leur coûter le match. Ouh, ça joue physique dans la raquette. Ouais, quant à Lausserre, il va se retrouver tout seul, même si Jim était venu fermer. On réclame une faute offensive pour les supporters poitevins. Ils sont assez calmes hein, dans ce début de match. Plus de 2000 personnes dans la salle Jean-Pierre Garnier. Kevin Mendy à 3 points. Ce sera manqué. Ouh, attention, rebond offensif. Et Morgan Durand qui se bat. Morgan Durand bien fait. L'entre-deux gagné du côté poitevin. Bonne bataille de Morgan Durand. On va jeter un coup d'œil à la table. La flèche est dans le sens du PB 86 puisque l'entre-deux avait été remporté par le Sepp Lorient. Et on va donc avoir une nouvelle attaque pour Poitiers qui est déjà une attaque importante, oui,
parce qu'il y a 8 points d'écart et parce qu'on est surtout à 45 secondes de la fin du premier quart-temps. Et oui, il faut commencer à resserrer l'écart. Morgane Durand. Ouh, il attaque fort, attention. Ça va, il essaye de retrouver Kiss. Mais il faut lui donner, bien sûr. Ah, la mauvaise passe de Kiss, il ne pourra pas enchaîner. Attention, une seconde. Ah, de toute façon, il restait plus qu'une petite seconde au chrono, ça allait être compliqué. À Kiss, il fallait l'assurer cette passe-là, puisque Morgane n'a pas pu enchaîner sur un shoot derrière. La passe dans les pieds et entrée en jeu de Kevin Mondésir. S'il n'y avait pas déjà assez de menaces offensives sur le parquet, en voilà une de plus. Attention, une seule petite seconde, oh, Morgane Durand qui joue intelligent. Oh, il a joué loin. Morgane Durand qui l'a joué au plus futé. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est de l'attaque. Oh, il a joué très, très intelligent. L'a lancé dans le dos du défenseur pour la récupérer lui-même et venir mettre le lay-up. Alors celle-ci, autant on se sent très malin quand on l'a fait, autant quand le ballon nous rebondit dans le dos et qu'on encaisse 2 points. Ouh, là, oui, non. Là, on se sent un peu bête pour le coup. Lancer franc raté pour Morgane Durand. Quentin, que ça sort fort. Voilà ce qu'on demandait au point de vin sur les sorties d'écran. Que l'intérieur sorte fort pour empêcher la passe sur le roll. Et là, on a un mismatch entre Saouneira et Kevin Mendy qui va être bien exploité. Il va aller chercher les deux lancers francs intelligemment. Ibrahim, Saouneira. Ce joueur d'expérience, hein, Ibrahim, il a 36 ans, mais 10 années passées en N1, il connaît le championnat comme personne. Il est notamment passé par Cognac, un club pas loin d'ici. Et il a également 4 années passées dans l'antichambre de la Pro A. 4 années au second niveau français, soit un joueur... qui a de l'expérience. Il est de lancer qui sont validés au CEP Lorient. Attention. Plus que 10 secondes sur la petite horloge et la grande également. Il va en rester 3 désormais. Qui, je ne sais pas s'il a vu le chrono. Et je pense qu'il ne l'avait pas totalement vu au début. Parce qu'il va récupérer la faute. On n'est pas dans la pénalité. C'est une faute. Une faute qui va remettre le ballon en jeu sur le côté avec Kissomoera à la remise. Bon, jeu rapide, attention. Et 2 secondes, on va essayer de démarquer Morgane Durand. Ça y est, c'est fait. Il trouve le shoot en déséquilibre. Ça sera manqué pour Morgane. On va s'arrêter là, 19 à 27. La défense n'a pas brillé du côté point de 20. 27 points encaissés en seulement 10 minutes. Ça fait beaucoup. Et c'est ce que nous dit Steph86 dans le chat, ouais. 27 points encaissés, c'est trop, beaucoup trop. Un petit point stat, oui. À la fin de ces 10 premières minutes, pour tirer des premières conclusions. Pour l'instant, c'est Morgane Durand, côté Poitvin, qui est le meilleur scoreur avec 8 points inscrits. Ah, il a eu beaucoup de tickets shoot, hein, Morgane. Par contre, on le voit niveau pourcentage sur le shoot pour l'instant, que ce soit les lancers francs, les 2 points, les 3 points, à tous les niveaux, le CEP Lorient est au-dessus sur ce premier quart-temps. Il va falloir faire attention côté Poitvin aussi aux balles perdues qui peuvent vite faire changer le match. Et on voit cette rotation du côté Poitvin qu'on avait vu très courte, notamment sur le match 1. Avec en fait 6 joueurs qui jouent 25 minutes ou plus. Et puis le reste, c'est moins de 10 minutes. On n'a notamment pas encore vu Jonathan Jeanne. Et on va le voir. Mais qui avait joué 6 petites minutes sur le match 1. Lui qui peut être un joker en sortie de banc, qui peut apporter du bon. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Le voici sur le parquet, Jonathan. Et attention à combo Jonathan Jeanne avec Jim Seymour dans la raquette. Ça peut faire mal. Et là, on joue plus grand. On a décalé Kevin Mendy sur le poste 3. Jonathan et Jim dans le secteur intérieur. On avait l'avantage au rebond sur le match aller. Et attention sur ce deuxième match, on peut encore l'avoir. Et justement, en faisant jouer Jonathan, c'est le moment. Retour au match. Possession côté CEP Lorient. C'est le moment surtout de recoller très rapidement pour le PB86. Ne pas se laisser distancer dans cette rencontre. Saouneira
qui va décaler sur Quentin Hanck, défendu par Morgan Durand. Il va prendre un shoot ouvert qui sera manqué. Il y a une faute au rebond. Et cette faute, elle va être point de vide, semble-t-il. On va regarder. Faute de Jonathan Jeanne, semble-t-il, qui est un peu étonné. Ouais, le public qui fait entendre son désaccord. Comme les supporters Poitevin. Alors, si vous êtes sur YouTube, de toute façon, vous êtes tous sur YouTube, mais sur ordinateur, c'est plus simple que sur la télé. Vous pouvez revenir un peu en arrière pour vous faire votre propre ralenti, pour essayer de voir où Jonathan Jeanne a pu commettre la faute. Et effectivement, il y a une grosse bataille avec Kevin Mondésir qui a été sanctionné. Ça joue fort sur les décalages côté du CEP Lorient. L'Auxerre tout seul qui va aller au bout. Il avait l'avantage physique sur Kissomo Era, il l'a bien exploité. Attention, le PB86, ça fait 10 points d'écart, va falloir réagir. Jimbo dans la partie qui va sortir sur Morgan Durand à 3 points. Ça va rester court. C'est un shooter de série, Morgan Durand. Quand il commence à en mettre un, il peut en enfiler beaucoup, beaucoup. Mais là, il est sur plusieurs échecs de suite. Va falloir se remettre. Le shoot, mi-distance. Et ça sera manqué pour Quentin Lausserre. Ça sera manqué. Kissomo Era à la baguette. On va retrouver Jonathan Jeanne sur le poste haut. On va essayer de démarquer Morgan Durand. Ça y est, c'est fait. Il a l'avantage de vitesse sur Kevin Mondésir. Il va retrouver Jonathan Jeanne qui tout tranquillement, puisque quand on fait 2m18, le panier est plus près, oui, va aller déposer ce ballon. Il aurait pu la dunker sans trop sauter. Oh, les écrans très puissants du côté breton. Adala Boto qui va manquer ce shoot. Kissomo Era, il a un avantage physique sur le poste 1, bien sûr, puisque c'est pas un réel meneur à la base. Quant à l'ancien interception, il va pouvoir aller au bout, pourquoi pas. Et il va aller arracher le cercle à deux mains. Ça fait des pertes de balles qui coûtent très cher pour le PB86. Puisque à chaque fois, elles sont conclues par une contre-attaque. Chose qu'on n'avait pas vu du tout, Louis, au match aller. On n'avait pas vu ça pour le moment. Mais là, ça part fort, faut faire attention. Les Bretons qui étaient repassés en indive. Et qui vont forcer la perte de balles. Qui pourraient jouer peut-être un petit peu au poste. On n'a pas encore vu beaucoup ce type de jeu avec l'accent sur les intérieurs. Qui pourrait peut-être un petit peu aider le déclenchement pour retrouver quelques paniers côté Poitevin. Je sais pas si tu as cette même impression, Louis, mais au match aller, bien sûr, on a vu que le PV86 avait dominé la raquette, oui, avec 18 points de Bali, avec 14 ou 16 points d'Alexis. 14. 14, exactement. Donc là, on sent vraiment que, bien sûr, le coach orienté a voulu changer ça. Et il y a un accent défensif dans la peinture où le PV86 n'arrive tout simplement pas à trouver de solution dans la raquette. Et il l'avait compris, il l'avait remarqué et ça se voit qu'ils l'ont travaillé. Ils ont fait un véritable effort. Alors pour l'instant, côté Poitevin, le match a été gagné, mais on ne voit pas encore où a été mis l'accent. Phil 56 qui dit super match de nos gros. J'adore le binôme Pape et Quentin. Et ouais, ça fait un boulot énorme pour l'instant dans la raquette du côté breton. Et bien, c'est encore Quentin qu'on va retrouver, mais cette fois-ci, il sera scotché par la défense Poitevin. Jonathan Jeanne face à Kevin Mondésir. On va retrouver Jimbo dans la peinture. Voilà. Voilà un peu de vitesse qui fait beaucoup de bien au PB. On revient à 8 points. Et maintenant, il faut enchaîner avec des stops défensifs. Ça aurait C'était pu bien être... défendu de la part de Kissomo Era. Ouais, ça aurait pu être intercepté cette passe. Hein. Elle n'était pas simple. Ça joue vite. Ouh, interception. Qui manque ce ballon. Kiss. On va lancer. Allez, Jonathan Jeanne sur la piste de décollage. Il sort les jumelles, Morgan Durand. Bien sûr qu'il avait vu la passe par-dessus l'épaule pour l'envoyer dans le top 10 de N1. Ah, magnifique. Ça, c'est de l'action qui donne envie aux supporters de se réveiller. 25 à 31, le PB86 qui vient recoller peu à peu au score. C'est encore loin d'être fait, il va falloir travailler. Mais pour l'instant, les trois derniers paniers qui, je crois, sont intérieurs, on le voit, peut avoir un accent là-dessus. Et surtout sur les contre-attaques. Hein. Ils viennent avec de la vitesse, c'est oui. Ça, Louis. Ce qui manquait un peu, c'est que jusque-là, les stops défensifs, il n'y en avait pas trop du côté PB. On ne pouvait pas jouer rapidement derrière. Et on le sait, c'est une chance hein, des Poitevins de se projeter rapidement
vers l'avant. Et ça permet au PB86 de recoller. Il y a plus de 6 points. Ah, Morgan Durand a été bien inspiré cette passe. Et a fait beaucoup de bien. Vous êtes sur le live quasiment 700. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bienvenue à vous. Vous nous rejoignez. Match 2 de ces 8e de finale. Le PB86 joue sa poursuite en quart de finale pour les playoffs. Et cherche surtout, lui, à faire mieux que l'année dernière, mieux que ses quarts de finale. Où en fait, il y a toute une ville de Poitiers qui a été totalement attristée par cette élimination. On espérait beaucoup mieux. Et tout le monde avait répondu présent. Mais on le voit cette année, ils sont aussi là. Ils veulent réussir à remonter en Pro B, mais c'est loin d'être simple. Il y a du niveau cette année, comme l'année dernière, mais il faut se donner. Et d'ailleurs, pour parler de cette remontée, je vous le disais tout à l'heure, 16 équipes, il en restera qu'une. On fera un point dans quelques instants sur les autres matchs en direct également, puisqu'on a notamment un match, nous, du côté Poitiers et Lorient à surveiller. C'est celui entre Boulogne et Rennes, où Boulogne est allé s'imposer chez eux pour cette première rencontre. Et Rennes n'a plus le droit à l'erreur. Ah, Jonathan Jeanne encore sanctionné sur cette défense face à Kevin Mondésir. Il va écoper là sa deuxième faute personnelle. Elle est dure celle-là, faut faire attention. Et c'est dommage parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau du côté Poitiers. Et il va sûrement être sorti par le coach. Pour l'instant, ça ne s'agit pas sur le banc. Alors on le sait, on l'a dit, hein, il a joué que 6 minutes. Donc s'il est cas de faute, c'est pas un joueur majeur. On n'est pas obligé de le sortir tout de suite. Non, mais pourtant c'était bien défendu, mais une main qui a traîné pour l'arbitre. C'est vite sanctionné. Et Luc qui nous demande dans le chat si la salle est pleine. Oui, elle est à guichet fermé, cette salle de Saint-Éloi. Soit 2200 spectateurs, un peu plus de 2000. On n'est pas aux 5100 de l'Arena Futuroscope, mais ça fait déjà beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Bonsoir Patrice, notre fidèle depuis Perros-Guirec, derrière le PB86 tout au long de la saison. Jonathan Jeanne, on sait qu'il est capable de les mettre ces shoots-là, mais là, ça sera manqué. Hugo Suard. On s'attaque fort. Bien fermé. La rotation défensive est plutôt bien exécutée par le PB86. Et Adamuto qui va manquer ce shoot extérieur. Arnaud Adamuto. Le pic avec Jonathan Jeanne. Kiss. Il est passé, il va pas pouvoir finir près du cercle. Ça manque un peu de toucher. Et Hugo Suard, balle en main. Ça veut jouer au poste. Ouais, Papé, il est de retour et il veut faire ce qu'il sait faire de mieux. Bien défendu par Jim Seymour. Morgan Durand qui va décaler Kevin Mendy dans 0 degré. C'est son spot, ça, Kevin, normalement. La passe pour Kissomoria. Bien retrouvé. Oh, le bloc. Contré. Il a dit non, Pape Bey et Hugo Suard, lui, va lancer Kevin Mondésir de façon un peu aléatoire, mais ouais. Loufoque. Loufoque, on ne savait pas trop, c'était un shoot, une passe. Bon, en tout cas, au final, ça se finit bien. Pour les Bretons qui reprennent 10 points d'avance. Fils avec Kevin qui va attaquer cette zone de 3. Retrouver Jonathan Jeanne, ça c'est bien fait. Lui, sur une zone de 3, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut attaquer le milieu. Et derrière, eh bien, on trouve des solutions post-bas, puisque en fait, le joueur qui défend à l'intérieur est obligé de sortir. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment la véritable faiblesse sur une zone de 3. On le sait, ça peut vite sortir sur des shoots, ça défend très bien l'intérieur. Mais le milieu, on va dire juste en dessous de la ligne de lancer franc, est mal défendu. Donc forcément, si les joueurs attaquent fort à cet endroit, ça va devoir resserrer. Ça pourra créer des décalages intéressants pour le PB86. Le jeu au poste bas, côté Sepp Lorient. Au buzzer, c'est raté. Jimbo remporte ses duels pour le moment. Oh, ça part vite. Il va pas sauver de question. Kissomoera. Oh, attention, triple changement côté Poitevin qui se prépare. À qui s'il devait sortir, je pense. Changement, Jim Seymour qui sort pour la rentrée de Bali Koulibaly. Kevin Mendy, le capitaine, qui sort pour la rentrée de Courtney Stockard. Et Morgan Durand qui sort pour lui, Armand Mensa. Et on est bon, 3 sur 3. 3 sur 3. Franchement, la triplette. Merci bien. C'était pas simple à suivre. Ah non, c'était. Mais en même temps. Mais on est bon. J'étais à deux doigts de me mélanger. On est bon. Et on va
retrouver Kiss sur la ligne avec un lancé pour revenir à 5 points. Allez, ils sont importants ceux-là. Et Kiss qu'on a vu pas à son avantage sur le match 1 avec beaucoup de déchets. Ah, et, qui va, et c'était parti trop vite. Qui va avoir un petit cadeau de la part d'Elorienté. On lui a dit tiens, t'as manqué le premier, t'inquiète. On t'en donne un autre bonus. Ça c'est simple, c'est juste quand les joueurs qui sont au niveau de la raquette pour le CEP Lorient partent trop tôt avant le shoot du joueur qui est au lancer franc. Ça permet de redonner un shoot. Allez garçon, celui-là faut le mettre. Oh, c'est exactement le même. Deux shoots, mais c'est suivi même. Et c'est raté. En Bali, ça aurait pu être au final. Ah c'est dommage. Ça aurait pu être une solution gagnante avec deux points au lieu de un. Mais Bali n'arrivera pas à trouver le chemin défilé. On va arrêter le temps de jeu. Cédric Berthorel va aller s'adresser à la table puisqu'il y avait un petit souci de chrono. On va en remettre 18. Rien de bien grave. Je voulais aller voir les stats de Kiss Moera sur le match 1. Kiss, c'est 4 points, 10 rebonds, 4 passes. Alors, ligne de stats assez atypique, mais 1 sur 5 à 2 points et 0 sur 5 à 3 points. Ce qui fait un beau 10% au shoot. Ah, ça rejoue beaucoup sur du pick and roll. Match référence. Le décalage pour le shoot ouvert à 3 points, c'est dedans. Ça tombe dedans. Kevin Mondésir qui sort la guitare, la fameuse. Jonathan Jade. Bon, bien joué cette passe. Superbe. La relation entre Bali et Jonathan. Ah, ça c'est top. Les relations intérieures, elles sont importantes sur de la zone. Et on va jouer ce même système, encore et toujours, le pick and roll. Oh, la passe compliquée. Ça sera bien défendu. Ballon récupéré. Changement côté Poitevin avec la sortie de Jonathan Jeanne et l'entrée de l'air Martinique, Alexis d'Argenton. Bon passage de Jonathan Jeanne. Oui, plutôt intéressant. Il a su profiter de sa taille, nous faire gagner des rebonds. Et il a trouvé un jeu intérieur avec Bali. Ouais. Et ça, ça fait du bien. Mais là, on va remettre aux affaires notre air Martinique. Plus que 7 points pour le PB86 pour essayer de rattraper le CEP Lorient. Kiss, ouvert à 3 points. Toujours pas en réussite, Kiss Moera. Et là, ça va se projeter vite de l'autre côté. Ça attaque très fort. Hugo Suar bien défendu. Magnifiquement défendu par Courtney qui a pris un petit coup dans la tête au passage. L'avantage pour l'instant côté Poitevin, ils sont à 54. Bali Gouibali qui remonte. Et ça va aller au bout. Et ça, c'est parfait. Demandé par le CEP Lorient puisqu'il n'y a plus que 5 points. Eh oui, ils sont obligés. 3 minutes avant la mi-temps. Ça alterne le bon et le moins bon du côté Poitevin et Lorient. C'est à toi, à moi. Chacun son tour, on fait de bonnes choses. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça reste encore un peu brouillon. Par contre, on le voit, la volonté des Bretons à attaquer très très fort sur chaque prise de balle. Patrice qui nous demande dans le chat à quand le retour de Marcus Redford. Eh bien, Patrice, c'est une bonne question, une très bonne question à laquelle malheureusement on ne pourra pas apporter de réponse puisque Marcus est pour l'instant bien toujours blessé et on n'a pas de date quant à son retour. Donc on va attendre de voir dans les prochaines journées en espérant le retrouver le plus vite possible puisqu'il nous manque Marcus Redford, même s'il est suppléé de très bonne manière par Courtney Stockard. Et on va faire rapidement un petit point sur les autres matchs en cours en ce moment même avec notamment Chartres qui, si je ne dis pas de bêtises, Chartres s'était incliné. Exactement, c'est incliné 3 points à Toulouse. Et bien là, ils sont fâchés. 39 à 17, 22 points d'avance pour eux. Caen est pour l'instant en train de perdre 8 points face à Orchi. L'autre plage tour, score de parité 24 partout. Le Havre mène de 11 points face à Rueil. Rennes mène de 3 points face à Boulogne. Ça, c'est le match qui nous intéresse surtout. Et puis un petit dernier match avant que ça reprenne. Vitré mené de 6 points face à Feur. Voilà pour les matchs de la soirée. On a retrouvé Ahmed Doumbia sur le parquet. Et c'est lui qui va avoir ce ballon en main. Il va aller attaquer, décaler sur Kevin Mondésir. Et ça sera une mauvaise passe. Ballon récupéré par le PB86. C'est la 8e perte de balle pour les Bretons. Qui, ça y est, ont repris le lead sur cette ligne de stats en particulier. 8 à 7.
Alors on emmène ça pour Alexis d'Argenton. Il a de l'espace, il va retrouver Bali. Il va. On a eu peur qu'il y ait un petit truc à la cheville, mais non, il va simplement refaire ses lacets, Bali Koulibaly. Et qui est allé chercher la faute, provoquée. Non, rien de bien grave pour Bali, on est rassuré. Il voulait nous faire une petite frayeur sur le moment. Ouais, quand un joueur saute, retourne et se touche tout de suite la cheville, généralement on n'est pas serein. Mais là on va le retrouver sur la ligne avec deux lancers. Et ces deux lancers là, Louis, ils sont importants pour revenir à 3 points potentiellement. On le sait, Bali Koulibaly peut être clutch dans ces moments là. Sur les lancers francs, on peut lui faire confiance généralement. Bon, il a fait un petit 6 sur 10, 60% sur la ligne au match 1. C'était pas exceptionnel. Voilà. Là, il va en lâcher un. Je dis qu'on peut lui faire confiance. Tu rappelles les stats, Irat? Alors là, c'est de ma faute. J'ai l'impression que tu lui fais pas confiance. Donc je vais me taire. Ouais, non, mais il a dû t'entendre. Regarde, moi, si je dis qu'il marque, attention, Bali Koulibaly sur la ligne. Et c'est dedans, tu vois, il faut savoir supporter l'équipe. J'admets. On va rester là-dessus, plus de 4 points d'écart, 2 minutes 30 à jouer avant cette fin de première mi-temps. Amen Doumbia qui joue physique sur la défense, le double pic poste haut. Ah, des pics un petit peu mobiles sur certains moments. C'est ce qu'on réclamait du côté Poitvin. Très bien défendu. Robert, attaque il fort, est passé. Ça sera manqué ce flotteur main droite. Ballon conservé par le CEP Lorient. Il va rester une seconde, tout pile. Attention à ne pas faire de faute, on sait que ça va être forcément un truc très compliqué pour le CEP Lorient. Pas besoin de faire de faute sur ça. Qui c'est qui va la prendre ce shoot? C'est trop tard, et non. C'était pas possible en une seconde. Ça, en une seconde, c'est trop court. On va remettre ce ballon sur le côté avec Armand Mensah et Kissé Mohera pour retrouver une doublette sur le poste de meneur. 2 minutes 10 à jouer, pression tout terrain mise par Ahmed Doumbia qu'on sait. Très bon défenseur. Et là, Robert face à Contini. On demande un petit quelque chose sur les mains. Contini l'a fait sauter. Step back. Sera court. Ahmed Doumbia qui va lancer ce ballon. Contre-attaque. Robert qui va monter à une main. Et scorer 2 points de plus. Ça pose un jeu bas. Bali Koulibaly qui essaie de se montrer. Duel face à Mondésir, mais surveillé de près par Ibrahim Djambou. On va venir doubler, bien sûr. Ah, on emmène ça qui est tout seul à l'opposé. Ouh, attention, la passe en louche. Alexis, il prend le contact et il pourra pas finir, mais il va aller sur la ligne. Voilà, c'est déjà ça. On sait, faut attaquer, faut réussir à provoquer. Après, ça rentre pas. Ça dépend des actions, mais leur faire provoquer des fautes, ça peut être que bénéfique pour les Poitevins. Et en tout cas, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que Bali Koulibaly. Il est surveillé de près. Ah oui, de très près. Très près. On ne lui laisse pas d'espace pour jouer ça 1 contre 1. Dès que le ballon lui arrive dans les mains, ça vient trapper 2 défenseurs sur lui. Mais il a bien joué le coup là-dessus. Et au final, on va retrouver Alexis d'Argenton sur la ligne pour revenir potentiellement à 4 points. Ça serait bien de recoller au score avant la mi-temps, mais décidément sur la ligne des lancers, le PB 86 lâche énormément de munitions. Tu veux une petite stat, Louis? Bah vas-y, sur la ligne, le PB 2 lancers réussis, 7 tentés, désormais 2 sur 8. Ah, ça fait peur. Soit un très mauvais 25%. Les 6 points ratés là-dessus, eh bien, ils sont en différence de score là-haut, puisque Lorient est à 8 sur 8 dans le même exercice. Oh, le potager! C'est son shoot, ça va faire attention. Ouais, on sait, les intérieurs, ils aiment beaucoup ce genre de shoot. Ibrahim Djambou également. Et là-dessus, ça sera manqué contre Nistocard. Alexis d'Argenton qui joue le pic avec Armand Mensah. Bon décalage pour Contini. Et Marché. Oh. Marché sur le départ. Une nouvelle fois, ça vient de la bonne défense d'Ahmed Doumbia. La très bonne défense, il est actif partout, tout le temps. Et il récupère un nouveau ballon. Petit point stat sur les pertes de balles. C'est la 8e pour Poitiers. Et on va faire sortir notre Américain. Retour du capitaine. Kevin Mendy. Allez, moins d'une minute à jouer avant la mi-temps. Il faut faire un stop. Ahmed Doumbia qui monte la balle.
Sam sur le pick and roll encore. Dans le même shoot que tout à l'heure. C'est pas passé loin, ça attaque fort. Résultat. Allez, il nous faut de la vitesse. Et offensive, oh là là. Ahmed Doumbia, messieurs dames, fait un boulot monstrueux en défense. Il enchaîne les bonnes actions défensives. Et même si on demande une faute de corps du côté Poitiers, il n'en sera rien. On va faire un petit tour sur le replay de YouTube. On remet en arrière. Kiss qui veut jouer. Et non, il est bien placé. Hein. Il est très bien placé, Ahmed Doumbia. Rien à dire. Décision juste des arbitres. Et ballon de nouveau récupéré. Armand Metsar face à Hugo Suard. Ça se parle sur le poste de meneur, j'ai l'impression. Ça a switché, va falloir faire la rotation défensive. Oh, c'est compliqué pour celui. Kevin Mondésir. Et on va avoir 20 secondes. Oh, Alexis D'Argenton qui slalom. Bonsoir Alexis. Ça retrouve Bali Koulibaly. La faute qui était annoncée, mais qui n'a pas été sifflée, il l'avait avoué. Il l'avait avoué. Ouh, alors là, attendez, on va se calmer de 10 secondes. Ah là, c'est compliqué, on peut là, voir sur les images. Ah si, ça n'a pas été simple. Ah oui, oui, oui. 20 secondes à jouer, on a retrouvé Bali en dessous. Provoque. Le joueur orienté annonce sa faute, mais ce n'est pas sifflé par les arbitres. On part en contre-attaque et marché sifflé contre les Bretons. Résultat, ballon récupéré par Poitiers. On se retrouve dans la même situation qu'il y a 12 secondes, sauf qu'il en reste plus que 8 à l'horloge. Ah, est compliqué cette phase de jeu. Et on va faire entrer. Oh, le public qui fait entendre son désaccord. À la place d'Ahmed Doumbia. Pour les dernières secondes. Saounera en mission défensive sur Armand Mensa. Ouais, ce serait bien de marquer avant la mi-temps. Plus que 6 petites secondes. Double pic demandé par Armand. Il va s'élever à 3 points. Oh, c'est dedans. Armand Mensa au buzzer de bang, la première bang, mi-temps bang. Pour revenir à seulement 3 petits points. Une grosse longueur d'avance et des points de vent. Qui ne sont pas contents, même furieux contre l'arbitrage pour le moment. Et parce que pour l'instant, au lieu d'applaudir le shoot d'Armand, il continue de huer les arbitres. Ça siffle dans les travées de la salle Jean-Pierre Garnier. 37 à 40. On va se laisser quelques instants, le temps de marquer une courte pause pour cette mi-temps. Restez bien avec nous. On se retrouve dans un peu plus de 10 minutes pour vivre une seconde mi-temps, Louis, qui s'annonce passionnante. Ah oui, ça c'est sûr. À tout de suite.
Nous sommes de retour ici à la salle Jean-Pierre Garnier, quartier de Saint-Éloi à Poitiers, dans le 86, les huitièmes de finale du championnat de France de National Masculine 1, match 2. Le PV86 était imposé d'un seul petit point à l'extérieur et est en quête d'une qualification pour les quarts à l'issue des 20 prochaines minutes. Pour l'instant, sur la première mi-temps, le PB est mené de 3 petits points, 37-40. Et pour vous faire un rapide retour sur cette première mi-temps, Louis, un point stats. Alors au niveau des stats, au point score, tout à l'heure, on le disait, c'était vraiment le CEP Lorient qui était devant. Au niveau des pourcentages, sur toutes les stratégies, ils étaient devant. Pour l'instant, là, le PB est revenu. Ils sont à 66% au shoot à 2 points, ce qui est plutôt pas mal, mais on sait qu'ils pourraient aller le pousser un peu mieux. Mais là où ça va pas, on l'a vu, c'est les lancers francs, seulement 25%, 2 sur 8. Alors, où sur ce poste-là, en tout cas, le CEP Lorient est à 8 sur 8, 100%, ce qui les met pour l'instant l'avantage, parce que voilà, le PB est derrière juste de 3 petits points, alors qu'on sait que grâce à ces lancers francs, ils auraient pu être devant. Après, au niveau des interceptions, pour l'instant, le CEP Lorient est devant, avec déjà 6 interceptions et seulement 4 pour le PB. On le sait, il faut faire attention à ces pertes de balles. Et surtout, il faut continuer comme ça pour essayer de retrouver des joueurs comme Bali Koulibaly, qui a déjà inscrit 7 points et qui pourrait toujours faire plus si jamais on arrivait à le servir, on va dire, dans la raquette. Un petit point sur les résultats des autres matchs en cours ce soir, avec plusieurs matchs à surveiller, en commençant par Chartres-Toulouse, 64 à 37 à la mi-temps, Louis, 27 points d'avance pour Chartres, qui réagit en patron, eux qui ont manqué la montée en Pro B dans le dernier match face à Rouen. La finale pour monter en Pro B, ils ont perdu en déplacement. Orchi mène de 5 points face à Caen et pourrait revenir à égalité à la fin du match, un partout. L'Aune Plage est mené de 2 petits points sur son parquet face à Tours. Le Havre mène de 10 points face à Rueil. Et le match qui nous intéresse le plus ce soir, Rennes mène 51-42 sur son parquet face à Boulogne pour égaliser et aller chercher un match 3 label dimanche. Et puis pour finir, Vitré est mené de 4 points face à Peur. Et si Vitré ne s'impose pas ce soir, il serait éliminé des playoffs. Alors attention, on suivra ça tous ensemble ce soir. Et maintenant, nous, retour au match. On est reparti sur le parquet de la salle Jean-Pierre Garnier. Attaque côté Poitvin et Bali Koulibaly qui a réussi à obtenir une faute. C'est bien ça pour Bali. On sait qu'il n'a pas l'habitude de partir sur un dribble comme ça, mais voilà, il provoque la faute. Et ça, c'est parfait pour le PB86. Être tout de suite très offensif. Allez, provoquer les fautes. Bali, qui une nouvelle fois est doublé. Ça y est, c'est fait. Et bonne défense. Interception sur Bali Koulibaly. Ça va jouer avec Hugo Soir du côté breton. On va retrouver Ahmed Doumbia. Belle passe pour Djambo, mi-distance. Et cette fois-ci, ça se tombera dedans pour Ibrahim Djambo. 5 points d'avance de nouveau pour Lorient. Armand Mensa. Il va falloir trouver une solution. Il reste plus que 6 secondes de cette possession. Kissomo Hera. 3. Attention au chrono. Bali Koulibaly qui vient la chercher. Au bout du chrono. Bali, il a le chrono dans la tête. Il maîtrise ce buzzer à chaque fois. L'horloger. Ça pourrait être un nouveau surnom, parce que franchement, il s'en sort dans une situation qui n'était pas gagnée pour autant. Oh, attention, retard défensif d'Alexis D'Argenton. Et Marché, bien sûr. Marché, il le savait, Alexis D'Argenton. Ballon récupéré. Et ça y est, le PB86 a une cartouche pour revenir à égalité. Une possibilité avec un shoot extérieur, pourquoi pas. Et Armand Mensa va remettre ça en place. On appelle le double pic. En haut, ça essaye de rouler pour Bali Koulibaly. Distance, ça c'est dedans. C'est parfait ça. Ça en confiance et en réussite ce soir. Plus qu'un petit point d'avance côté breton. Alors on le voit sur cette belle passe, bien fait. Cette deuxième mi-temps, ça arrive à trouver l'écart, mais ça attaque moins fort. Ça a changé. Voilà. À demain. Alexis D'Argenton. Air Martinique s'est envolé
pour repasser devant. Ça y est, messieurs dames, le PB86 fait désormais la course en tête. 43-42, un petit point d'avance. Ah, il aura fallu attendre une mi-temps, mais c'est bon. Ils sont enfin devant, il faut réussir à tenir l'écart maintenant. Et c'est pas facile, mais compte de Bali Koulibaly. Pas aujourd'hui, non. Pas chez lui. Pas dans sa raquette. Courtney Stockard, on est sur une bonne passe pour les points de main. Faut continuer, Alexis Largenton, il y a l'avantage à l'opposé avec Armand Mensa, bien sûr, plus de vitesse que Quentin Lausserre. Attention à la perte de balle. Attention, il s'est repris de Bali Koulibaly. C'est magnifique. Un peu de chance sur cette action. Un peu beaucoup. Mais ça oblige le CEP Lorient directement à prendre un temps mort pour remettre les choses en place, parce que là, pour l'instant, rien ne va plus côté breton, mais tout va bien côté Poitevin. Philippe Beaucourant qui est obligé de prendre ce temps mort parce que le PB est sorti des vestiaires avec une toute autre volonté. Ici. 7 minutes 30 à jouer dans le troisième quart-temps. 3 points d'avance dans le PV 86. Et on est reparti également sur les autres parquets. Bientôt du côté de Rennes, c'est ce match-là qu'on va surveiller, puisque ça va désigner l'adversaire potentiel d'une des deux équipes qui s'affrontent ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes 800 et voire même un tout petit peu plus sur le live. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Les supporters Poitevin, mais également les supporters bretons, n'hésitez pas à interagir avec nous, à poser des questions à notre expert basket, Louis, ce soir. Et puis, si vous êtes supporter Lorienté, à nous donner des petites infos sur vos joueurs, des anecdotes, des choses qu'on ne saurait pas. Eh bien, n'hésitez pas. 8-0 sur les deux dernières minutes, nous dit Raphaël. Bah, exactement. Ouais, là, je ne sais pas comment tu l'as senti, mais ça avait vraiment changé d'agressivité des deux côtés. Au premier mi-temps, le CEP était très, très agressif. Et ils ont changé, un peu pris la place du PB. Et au contraire, les Poitevin ont vraiment su mener le jeu sur ce début de deuxième mi-temps. Belle passe, il est tout seul. Le shoot ouvert. Pour Robert, ça sera manqué. Djambo qui retrouve ce ballon dans ses mains avec un encore peu de chance. Shoot ouvert. Avec alors là, il est dans ses appuis. Ah, c'est raté, rebond d'Armand Metsa. Mais ça sera manqué. Armand Metsa. Qui annonce le système contre les Stockard. On va retrouver le jeune meneur pour un pic avec Bali Koulibaly. On va servir poste bas. Ça va ressortir sur Armand contre les Stockard. Il va aller attaquer Serge. Oh, qu'est-ce qu'il le fait bien, ça. Ah, ça, c'est parfait. Il prend le contact, il résiste et il va scorer. Ah, on sait, c'est vraiment important dans son jeu. Jouer ses duels, aller s'imposer. Ça joue encore, le pick and roll. Bien fait. C'est réussi. Alexis. Ça prend son temps. On va servir Kiss. Attention au chrono, plus que 10 secondes. Moins de 10 secondes, effectivement. Ça ressort à 0. Ce shoot Armand Metsa, ça sera manqué. Et ça court de l'autre côté. Alors Robert sera pas servi. Ahmed Doumbia, bon décalage pour Hugo Soir. Oh, ça tombe dedans. Ah, ça leur fait du bien, ça. Ouais, ça fait beaucoup de bien aux Bretons. Ça permet de recoller. Égalité, 47 partout. Bali Koulibaly. Ouais, bien sûr, il est passé. Faute avant. Mais là, il a été surpris. Hein. Quentin Lausserre, il ne s'attendait pas. Parce que Bali, pour un intérieur, un costaud, et il a bougé, un premier hein. pas assez rapide. Et puis, il se déplace plutôt bien. Et puis si jamais il passe un premier appui, c'est vrai que le stopper tout de suite en étant devant ses épaules, bah tout de suite ça fait faute. Il a un physique assez costaud, on va dire, qui lui donne l'avantage. Presque autant que toi, Joris, mais pas mal costaud. Qui se mouillera avec 10 secondes sur la petite horloge. On l'a trouvé ici d'Argenton. Oh, tranquillement, on a cru à une détonation. Mais c'est bien parce que ça assure. Tout tranquille, ça a bien fait. Ça permet au PB de reprendre le lead. Et là, va y avoir un duel.
qui va être finalement remporté par Bali Koulibaly. Pape, il n'est pas passé loin de scorer, hein. C'était bien fait. Très Kiss. Bien joué, Alexis d'Argenton, tout seul à 3 points. On voit Kiss hein, depuis quelques moments, qui a l'avantage de physique sur Hugo Suard. Oh, ça retrouve Armand. Il crée le décalage. Ouh là, bah, passe. C'est touché. Attention au chrono, plus que 6 petites secondes. Kiss décalé contené. À 3, ça va rester court. Et ballon récupéré par Ahmed Doumbia. Oh, attention, ça attaque fort. Ouh, ça cherche à jouer l'intérieur sur contené. Alexis passe à Ahmed. Belle passe. Ouh. Et il y aura une faute. Faute de Bali Koulibaly, semble-t-il. On va attendre la confirmation des arbitres. Oui, c'est ça. Bali qui écope de sa deuxième faute personnelle. Et on va retrouver donc Pape Bale sur la ligne. Pour l'instant, ils sont à 100%. Est-ce que ça va continuer comme ça? Bonsoir Jacques dans le chat qui nous regarde depuis Amboise. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à nous dire depuis où vous regardez ce chat et ce live surtout. On sait qu'on a des viewers internationaux. Changement côté Poitevin avec la sortie de Bali Koulibaly suite à sa deuxième faute personnelle et l'entrée en jeu de Jim Seymour. Ça commence. Ouf. Ça commence dans les travées de la salle Jean-Pierre Garnier à monter un petit peu le volume. Premier lancer franc réussi malgré une grosse hésitation sur le cercle. On sent que les supporters Poitevin ont mis une mi-temps à prendre la mesure de ces playoffs. Et là ça y est, on y est dans une atmosphère de playoff. Et résultat, on fait craquer le lancer. Et ah, c'était bah, le premier lancer raté. Il va en avoir deux supplémentaires. Salut Bastien qui nous a rejoint dans le chat. Attention Courtenay du coup qui est comme de sa troisième faute. Salut Nolwenn, salut Jules. Ça engage tout de suite un changement. Salut tout le monde, vous êtes plus de 900 à nous suivre en direct. Avec l'entrée en jeu de Morgan Durand. Le premier sera réussi pour Papey. Et du coup, il y en aura un quatrième finalement. Hein. Pour l'instant, un seul loupé sur tout ce match. Côté Lorient. Et 2 sur 2. Ça sera réussi. Le CEP Lorient reprend le lead. Un petit point d'avance et 4 minutes 30 à jouer. Morgan Durand qui a fait son retour sur les parquets. Kiss qui va trouver passe c'était lui pour Alexis. Mais qui a été bien lu. Je vais faire un petit tour sur les stats de Kiss parce que je crois qu'il est en train de nous refaire un match comme le match 1. Ouais, c'est assez particulier. C'est-à-dire d'habitude, on a plus l'habitude de le voir sur des shoots mi-distance où il prend assez la confiance. Pour l'instant, il répond pas présent sur cette partie. Alors, Kiss, il a 1 sur 4 au shoot, 2 points marqués en 26 minutes avec 7 rebonds et 6 passes D. Allez, Ahmed Doumbia, on va se servir. Ouais, on va le trouver. Pape Bey dans la peinture. Oula, la passe, elle n'était pas simple là, pour Hugo Suard qui arrive à saisir du ballon. Il lui reste 5 secondes pour trouver une solution. On va resservir Pape Bey qui s'est fait l'espace et qui va manquer le plus simple. Bien sauvé ce ballon par Alexis Argenton. On va pouvoir se projeter rapidement vers l'avant peut-être avec Kiss. Armand qui va trouver une bonne passe à terre pour Alexis Argenton. Et Poitiers repasse devant. Oh, ça veut répondre vite à 3 points. Ouh, c'est dedans. Ibrahim Djambo trouve la mire. Il a gardé la tête sur les épaules. Ça se répond des deux côtés. Armand Mensa qui décide de poser le jeu pour trouver une ouverture. Morgan Durand, ça y est, il est défendu plus fort qu'en première mi-temps. Il ne peut plus prendre autant de shoots. Kiss, bon décalage, à l'opposé, Alexis Argenton. Ah oui, ouais. C'est la fin du chrono. Il y a trop de jeux collectifs, trop de passes.
Morgan qui le met derrière, on sait qu'il est toujours capable de les mettre, mais... Il en faut, mais il faut faire attention à l'horloge. Les possessions font 24 secondes et pas une de plus. Trois minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Hugo Suard. Bon décalage sur Saunera. Attention messieurs, il va rester 4 secondes à jouer. Quentin Hank face à Kiss. Oh, ça shoot, le shoot compliqué. Et ça sera manqué. Rebond Morgan Durand. Exit d'Argenton pour le pic. Non, ça déroule directement. Jimbo qui va retrouver son meneur. On va jouer sur Alexis d'Argenton dans la peinture. Qui va se remettre face au cercle. Il n'y a pas trop de solutions. Fadeaway compliqué. Oh. Mais rien n'est trop compliqué pour Alexis d'Argenton. On revient à égalité. Alexis d'Argenton qui vient de marquer son 14e point. Il vient du coup d'égaliser sa stat sur le score du match aller. Oh, ça tombe dedans Jumbo. On sait qu'il est capable de shooter extérieur et il le montre. Ibrahim Jumbo, ça fait 2 de suite pour le meilleur marqueur de Lorient sur cette saison. Et il tourne à 40. Morgan Durand directement qui dégaine pour répondre. Ce sera manqué. Rendez-vous compte, 2m09 et pourtant il tourne à 40% à 3 points Ibrahim Jumbo. Non Louis, c'est plus que toi sur la ligne de stats. Ouais, c'est parce qu'il est plus grand. Pas grand chose. Et on va de nouveau retrouver ce même Ibrahim Jumbo qui commence à faire une roulade derrière. Une leçon, ah, c'est pas ça que je voulais dire à la base. C'est plus qu'il était en train de faire la leçon à Alexis d'Argenton sur ses derniers passages. Et Alexis va céder sa place à Kevin Mendy en voyant en mission défensive sur ce même Jumbo parce qu'il commence à prendre chaud. Ouais, le capitaine qui peut vraiment faire un gros travail sur ce poste. Attention, le PB qui était revenu et qui risque de repasser à plusieurs actions derrière Lorient. Ah Louis, je commençais à m'inquiéter. J'avais pas vu Zach depuis le début de match. Il vient d'arriver. Notre viewer le plus fidèle, le voilà. Salut Zachary. C'est normal aussi. Tu vas nous porter chance. Il est positionné sur un événement quand même important en ce moment, la finale régionale 3-3 qui se déroule cette année à Saintes. Il y a du boulot. Si vous êtes dans le coin et que ce week-end vous n'avez rien à faire, rendez-vous à Saintes pour un rendez-vous entre les meilleures équipes de 3-3 de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de basket. Bon, ça ouvre fort directement. Kissomoera. Bon, les deux intérieurs du Morgan même côté. Durand, il a de l'espace. Il va prendre ce shoot. Morgan Durand. Ça y est, la gâchette a retrouvé des munitions. Ah, ça fait du bien. Et trouve sa cible. Plus qu'un point d'avance pour le CEP. Bonne défense des poids de vin. Ça vient piquer, attention au roll, on le connaît. Hugo Suard face à Armand Mensa, bien défendu. Oh, il s'est fait l'espace. Secondes. Il s'est fait beaucoup d'espace, mais il n'arrivera pas à finir. Armand Mensa, de retour, balle en main. Il va rester 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et il n'y aura pas de faute offensive, ça sera une faute de corps pour Saunera. Et il avait voulu la jouer. La faute offensive, mais il n'obtiendra rien. 32 secondes, 7 dixièmes, 19 sur la possession pour le PB 86 et un point de retard pour les locaux. On vous rappelle l'enjeu, il est simple. La victoire et ses quarts de finale pour le PB. S'il y a une défaite, ça sera la belle dimanche. Ici même à Poitiers, Kevin Mendy. Ça joue à deux beaucoup. Qui part provoquer. Et qui va récolter la faute. Allez, lancer franc important qui peut permettre au PB 86 de repasser devant au score sur cette fin de troisième quart-temps. Allez Kevin, il faut les assurer, c'est lancé. Oh, il n'y aura pas de réussite.
nouveau lancer franc manqué. Louis, je continue dans mes stats, hein, mais 2 sur 9 sur la ligne, ça fait mal. Pour les points de 20. Et ça, si ce match il est perdu par le PV86, ils pourront s'en mordre les doigts, les joueurs poids de 20. Et bien voilà, 2 sur 10. On est passé de 25 à 20%. Et on a surtout gâché la possibilité de repasser devant avant la fin du troisième quart-temps. C'est pour Armand Messa qui met la pression sur Ahmed Doumbia. On va retrouver Saounera. 3 secondes. 3 secondes au bout du chrono, il va s'élever mi-distance. Ça faut shooter directement. Rebond pour Kiss. Et on va s'arrêter là-dessus. Score 56-57. Il va rester 10 minutes. Tout est à faire pour les deux équipes. Et une nouvelle fois, je vous le répète, mais si Poitiers, on est à la pause du troisième quart-temps, c'est le moment. Du côté breton, pour le CEP Lorient, ils sont seulement à 46% sur le shoot à 2 points. On le voit, 15 sur 32. C'est pourtant pas assez de leur côté, c'est bien défendu par le PB, mais on voit là où ça répond, c'est qu'ils obtiennent beaucoup de lancers francs. C'est bien défendu, mais des fois il y a des bras qui tombent, ça siffle, et ça il faut faire attention avec l'arbitrage de ce soir. C'est des paniers qui pour l'instant sont faciles pour le CEP et qui leur permettent de prendre le devant. Allez, on va être de retour bientôt sur le parquet pour les poids de vent. Tu parlais des stats, on a 13 balles perdues du côté Poitiers, attention. Attention à ça, ça va coûter très cher dans les dernières secondes. Et puis on parlait du stat aussi qu'on voulait surveiller, Louis, depuis le début de match, au niveau des rebonds totaux. 24 pour Poitiers, 25 pour les Bretons. Alors que, je vous le rappelle, l'écart sur le match aller, il était bien plus important, 43 à 26. Ouais. Ils ont travaillé dessus. Et ils ont totalement changé cet aspect-là de leur jeu. Bloquer le rebond, ça a été une des consignes principales du coach Montcourant pour les Lorienter. Attention, plus que 10 minutes de jeu pour connaître le résultat. Ça y est, on est reparti. Les 10 dernières minutes, c'est là où tout se décide pour les deux équipes. Ahmed Doumbia avec la première possession. Papey dans la peinture qui va jouer de son physique. Oh, il n'y a pas de réussite pour Papey. Pas chanceux là-dessus. Et Morgan Durand toujours sur le parquet avec Courtney Stockard. Attention parce que ça pourrait pleuvoir de partout les trois points. Ouh, en commençant par ça, Morgan bang, bang, bang. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand il shoot, ça tombe dedans et rien d'autre. Ah, on aime quand il est en forme comme ça, Morgan. Ça sort fort, bonne défense de Jim Seymour. Va falloir effectuer la rotation défensive, ça y est, c'est fait. Oh, c'est bien repris. Bien fait, superbe rotation défensive. Et ça sera gagné au final contre les Stockard. Qui va retrouver Armand Messa, on va remettre en place intelligemment. Le PV86 est devant de 2 points. Armand face à Kevin Mondésir, il s'arrête mi-distance, il pull up. Et Armand, il est très très chaud ce soir. Il enchaîne. 7 points pour lui, accompagné de 5 passes décisives. Il réalise un super match, Armand. Son meilleur match peut-être sous les couleurs Poitvin depuis son arrivée il y a un mois. Kevin Mondésir pour répondre. Ça sera manqué et attention parce que là ça pourrait être un tournant. Et c'est le moment de creuser l'écart. Pour le PB86, la balle dans les mains de Courtney Stockard. Et là ça pourrait créer un petit écart si le PB86 arrivait à scorer là-dessus. Jimbo, pull-up. Jimbo, mi-distance. Ça sera manqué. Oh, ça s'en mêle les pinceaux. Oh non, ça c'est dommage. Ah, non. Oh, attention, la tension monte entre Armand Mensa et Kevin Mondésir. Attention Armand à ne pas sortir du match. Donc faute antisportive sifflée contre Armand Mensa. Est-ce qu'il y aura plus que ça? On va voir. On va convoquer les deux intéressés. Armand Mensa qui s'était fait légèrement bousculé sur sa prise de position pour le rebond et qui n'a pas su apprécier, mais il faut savoir garder la tête froide, surtout à 8 minutes de la fin. On va regrouper les deux équipes, chacun de leur côté, et on va discuter entre les deux arbitres. Qu'est-ce qu'on prend comme décision?
Décision toujours en cours de réflexion. Et le public qui se fait entendre en attendant. Alors, on va écouter l'arbitre. Faute antisportive maintenue contre le numéro 17. Et ah, ça c'est dommage. De lancer franc. Il n'y aura pas de faute technique. Ça déjà c'est une bonne chose parce que Armand, sa réaction aurait pu être sanctionnée d'une faute technique. C'est là où il faut être fort mentalement, ne pas craquer et rester dans le match. Et ils étaient à 4 points devant et ils permettent peut-être au simple de revenir à une seule possession. Il pourrait revenir à égalité, mais le volume monte encore d'un cran. Ici dans la salle Jean-Pierre Garnier, Kevin Mondésir ne tremble pas. Ce premier lancé, il y en aura un deuxième. Et là, il faut être sacrément courageux pour aller shooter ses lancers sans trembler. Et bien, ça prend un sur deux. Mais derrière, il y a une possession. Il y a une possession à suivre pour les Lorientais. Ahmed Doumbia, balle en main, 10 secondes sur la petite horloge. Bien défendu par Jimbo, mais finalement, ben, ça sera une faute sifflée contre Jimbo. La deuxième faute personnelle, rien d'inquiétant pour le moment. On sent une tension assez électrique dans les tribunes. Ouais, c'est ce que vous dites dans le chat, hein, c'est chaud. Ouais. Ben, c'est un match de play-off, ça se sent, ça se ressent dans la salle. Et c'est l'intensité indescriptible, mais totalement unique des play-offs. Et faute offensive sifflée contre Pape, voilà, ça y est. Nous y sommes dans ces moments chauds. Et il faut que le PB garde la tête sur les épaules s'ils veulent continuer de creuser l'écart. Faute offensive de Pat Bay. C'est la troisième faute personnelle pour lui. Le numéro 22 également. Quentin Lausserre est à trois fautes. Et deux qui ont fait quand même beaucoup de travail dans la raquette. Et c'est les deux intérieurs, les deux postes 5 qui sont à trois fautes. Donc ça, c'est une notion importante à prendre en compte dans les dernières secondes. Contre Nestocard, on va sortir sur Jimbo, retrouver l'Américain, il est face à Pape, il va rester 6 secondes, il va prendre à 3 points. Et c'est dedans. Courtney Stockard, mesdames et messieurs, 6 points d'avance pour le PB 86. Oh, oui, et nouvelle faute offensive oui. De Pape. On l'a vu. Un écran un petit peu trop dynamique pour sa part. Ah ça c'est dommage côté breton. Bon, alors là, Pape, il va changer pour le coup. Deux actions, le pauvre. Et ça va être l'entrée de Ibrahim Djambo. Et ouais, obligé de tourner sur ce poste. Parce qu'il vient de commettre sa quatrième faute, Pape. Et puis ça pourrait coûter cher dans les dernières secondes. Lui, qui a été un élément tellement important sur le match 1 et encore plus ce soir. Allez. C'est bien de s'enflammer, mais il faut rester tout de même avec un sang glacial dans les veines pour les Poitevins pour continuer à scorer. Armand Mensa va décaler. Kevin Mendy à 3 points. Ça sera manqué, c'est dommage parce que celui-là, il aurait fait totalement exploser. C'était une belle action. La salle Jean-Pierre Garnier. Il faut rester solide sur la défense. Allez, il faut faire des stops du côté Poitevin. Attention, pas de faute. Ah, Jimbo, il... Ça va être sa troisième, ça. De la faire cette faute et finalement il l'a commise en deux temps. Ça va pas emmener. Si ça va l'emmener sur la ligne, mais parce qu'il était sur l'action de shoot. On est qu'à trois fautes pour le moment du côté Poitevin. C'est pas grave pour Bali Koulibaly, c'est sa troisième faute personnelle, mais on est à 6 minutes de la fin du match, pratiquement 7. Mais Jim Seymour, la troisième faute personnelle. Bali il est sur le bord. Jim Seymour, mais Bali Koulibaly, c'est ce que je voulais dire, peut rentrer à tout moment. Exactement. On a un peu d'avance sur ce poste niveau faute, sur le poste 5 par rapport à Lorient du côté Poitevin. Ça, faut en profiter. Ahmed Doumbia. Et ça tremble pas. Il y a plus de 4 points. Et l'huître rose qui nous dit dans les commentaires, faut être dans la raquette, gagner du temps et provoquer des fautes. C'est important. Je sais pas si vous entendez, mais ça y est, le public Poitevin est totalement à fond derrière son équipe. Morgan Durand qui essaye de percer l'attaque. On l'a pas compliqué, c'est rattrapé. Qui fait des gestes acrobatiques pour retrouver le ballon. Et Kevin Mendy sur le buzzer. Le capitaine au buzzer des 24. Pour garder 6 points d'avance. Le feu, les Poitevins d'attaque. Bien défendu par Stockard.
à Stockard qui vient de commettre sa quatrième faute personnelle. Ah ouais, là il est pas content parce que... Ah, il était pas d'accord. Ouais, il va sortir remplacé par Christophe Moya. Ahmed Doubia qui va se retrouver sur la ligne de lancer franc. Et changement également du côté du CEP Lorient, sorti de Hank pour le retour d'Hugo Suar. Et Ahmed Doubia de nouveau sur la ligne. Eh bien, ça sera manqué pour Ahmed Doubia, lui qui avait été parfait jusqu'ici, 6 sur 6. Là, c'est l'ambiance, c'est le public. Ils se font entendre, ils essayent aussi de participer au match. Le sixième homme joue son rôle à fond. 1 sur 2 pour Ahmed Doubia. Kiss décalé. Morgan Durand qui dégaine. Oh, et c'est dedans. Morgan Durand, oui, il répond. Mais si, prenez ton mort, parce que je suis beaucoup trop chaud. Morgan Durand ça le fait du bien, enflammé ce soir. Je vous parlais de la gâchette Poitbin, elle est au rendez-vous. Morgan Durand, 17 points pour son compteur personnel. 5 sur 9 à 3 points. Ben voilà une réussite tout autre par rapport au match aller. Et quand Courtenay n'est pas le meilleur scoreur, il y a toujours des alternatives dans cette équipe Poitvine. Morgan 17, Alexis 14, Bali est à 11. Alexis qui est sorti depuis quelques minutes maintenant, on n'a pas encore revu. Mais à tout moment, il peut revenir si on a besoin de dynamisme, on le sait. Oh, c'est chaud, c'est très très chaud cette fin de match. Et on va vivre ça tous ensemble. Vous êtes plus de 1000 à nous suivre en live. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Et surtout, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à interagir avec nous, à poser vos questions à notre expert basket du soir, Louis, qui est avec nous pour vivre ces 6 dernières minutes. 6 dernières minutes qui s'annoncent intenses jusqu'à la fin. Et Steph qui nous dit on peut aussi faire rentrer Jeanne qui n'a joué que 6 petites minutes. Et ouais, c'est toujours la même chose avec Jonathan Jeanne, il joue en première mi-temps généralement et puis quand les fautes tombent, eh bien, on le revoit plus trop sur le parquet, c'est dommage. Bon, bonne, ça défense, va attaquer fort. Bonne défense de Kevin Mendy qui switch sur un peu tout. Et attention, faut plus commettre de fautes côté bois de vin. Jim Seymour face à Ahmed Doubia, bah là il va être pris de vitesse. Et à qui va être donné cette faute? À Jim. Et c'est Jim, ouais, prendre... Jim, c'est ça. Et Jim qui va prendre sa quatrième. On va sûrement remettre aux affaires bientôt Bali Koulibaly. Est-ce qu'il faut faire attention par contre? C'est que le PB86 est déjà du coup maintenant à 5 fautes collectives. Toutes les prochaines fautes, qu'elles soient dans la raquette, sur un shoot ou peu importe où sur le terrain en soi, permettra à Lorient de venir shooter directement de lancer franc. Et on sait qu'ils sont à droit ce soir. Il faut faire attention à ne pas leur donner trop de points facilement. Et à bien fermer cette zone pour pas qu'ils attaquent la raquette aussi facilement. Lorient est à 18 sur 22 sur la ligne. Soit plus de 80%, c'est très correct comparé aux 20 petits pourcents, 2 sur 10 du côté Poitvin dans le même exercice. Christo Moira, balle en main dans son duel face à Jambo. On va retrouver Morgan Durand. Et cette fois-ci qui sera en échec. Ouh. Intelligemment fait, bien fait Kevin Mondésir. Ah, c'était bien calculé la part de Kevin Mendy qui a voulu le relancer dans la jambe mais c'est revenu sur lui. Ah, c'est dommage. Et Kevin Mondésir qui est en train d'adopter le rôle de vilain contre les supporters Poitvin. Ouais. Sifflé par tout le public. Mais pour l'instant ça lui réussit bien à Kevin. On voit dans les commentaires le CEP qui essaye d'y croire encore, rien n'est fait, ça c'est sûr. Vu le score et le temps qui reste, pour l'instant, rien n'est joué. Très bien défendu par Jim Seymour. Et ils sont en supériorité numérique, les Poitvins. Il faut jouer rapidement. Oh, et faute offensive. Oh, Jimbo qui va commettre là-dessus sa cinquième faute. Ah, il va devoir sortir du terrain et être remplacé
par Bali Koulibaly. Je ne vais pas prendre parti, Louis, je viens de me faire le petit replay. L'arbitre a toujours raison. L'arbitre a raison. Mais c'est un peu sévère. Mais elle si est dure. Si il faut l'avouer. Je peux me permettre ça, c'est un petit peu sévère. Mais c'est comme c'est la patrouille. Ça. C'est les arbitres qui ont le dernier mot, bien sûr. On leur fait totalement confiance. Ils sont bien mieux placés que nous pour en juger. Mais en tout cas, Jimbo va sortir, laisser sa place à Bali pour les 4 minutes 40 qui restent à jouer. Hugo Suar, oh ce sera manqué, mais Kevin Mondésir. Oh oui, c'est oh, bien. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage pour Mondésir. Il avait fait le plus dur, récupérer ce rebond offensif. Et derrière, il manque le panier tout près. Ah, si c'est des paniers importants. On joue pas le droit de les manquer. On joue avec qui hein, sur ces dernières minutes. Il va aller provoquer. Oh, oh c'est quoi ça? Ça roule et ça ressort. Oh, le suspense jusqu'au bout. Il nous avait fait un petit numéro de cirque là, Bali Koulibaly d'équilibriste pour aller récupérer ce rebond, faire une claquette. Et là, Morgan va commettre une nouvelle faute face à Ibrahim Djambo qui va se retrouver sur la ligne. Et on va retrouver une nouvelle fois les Lorientais sur la ligne. Ils vont avoir shooté, lui, 24 lancers francs déjà. Ah, c'est fou. Sachant que le Poitiers est dans la pénalité et que toutes les prochaines fautes amèneront sur la ligne des lancers. Combien de lancers pour l'instant pour Poitiers? Poitiers, on est à 10. On est à 23 et bientôt 24. Mais il faut provoquer. Hein. Vient de rater un lancer. Le sixième homme qui fait son travail. Ça s'agite, ça siffle, ça crie. Dans les tribunes de la salle Jean-Pierre Garnier, et ça sera un sur deux pour Djambo. 69-64 pour le Poitiers Basket 86. Morgan Durand qui veut jouer avec Bali Koulibaly. Sur le poste, c'est bien fermé directement. Ouah, la passe compliquée, sauvée par Aaron Metsa. On va décaler Kevin Mendy. Pour ses responsabilités. Il est toujours pas. Oh, attention, ça peut attaquer vite. Toujours pas dedans, Kevin Mendy. Il a scoré que deux petits points. Odjambo. Odjambo, celui-là. Celui-là, il aurait fait mal. Au point de 20. Oh, attention, Armand. Ouais, ballon récupéré. Mais attention, parce que ça aurait pu coûter cher. Morgan Durand qui va céder sa place à Courtney Socard et Alexis Argenton de retour sur le parquet pour Kevin Mendy. Et ça peut apporter un certain rythme. Il faut l'espérer, plus que 3 minutes 20 à jouer. Poitiers a shooté 27 fois à 3 points contre 15 pour le CEP Lorient. Et pourtant, on n'en a marqué que 4 de plus. Courtney Socard face à Mondésir. Oh, le contre. Oh, quel contre énorme. Quel contre énorme. Ça récupère le ballon. C'est Ibrahim la Djambo. Revanche à 3 points. Et c'est temps. Il répond et il célèbre. Qui sort. Le game est dégagé à 3 points. Offensive, eh oui, bien et sûr. C'est parfait. Courtney Socard en fire, messieurs dames. Alors ça peut être une transition attaque-défense qui fait gagner un match. Courtney Socard, entrée gagnante, qui fait lever toute la salle Jean-Pierre Garnier. Ah, quel régal. Ah oui, très 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 belle phase de jeu. Il s'était pris un contre, mais il n'a pas voulu se laisser démotiver. Non, non, il répond directement et il défend. C'est la touche américaine, ça. C'est la touche américaine de Courtney Socard. La touche américaine de Courtney, et surtout sa célébration une fois qu'il a marqué. La fameuse. 8 points d'avance pour Poitiers, 2,50. Ah, rien n'est fait, on va rester calme pour le moment. On va jeter un coup d'œil sur les résultats des autres matchs en direct tous ensemble. Avec pour le moment Pontierry qui mène largement sur le parquet de Berck. On retrouve également Chartres avec 14 points d'avance face à Toulouse. Orchi. 10 points d'avance contre Caen. L'autre plage est menée de 8 points sur son parquet face à Tours.
Le Havre mène de 5 petits points face à Rueil. Et puis pour Rennes, pour l'instant, c'est une promenade de santé. 31 points d'avance face à Boulogne. Ils vont aller décrocher ce match 3. Et Vitré est toujours mené de 6 points. Les playoffs pourraient s'arrêter là. Oh, ça défend très fort directement. 6 minutes. Ça a voulu mettre une presse dès le début du terrain. Ah, mais là, c'est obligatoire pour Lorient. Il y a 8 points d'écart. Il va falloir récupérer des ballons. Ouais, tout est encore possible, mais ça attaque vite. Normalement, même ça, qui ouais, pose le jeu, mais qui ouais, est directement pris par deux joueurs. C'est bien de calmer, mais calmer dans un coin, comme ça, on peut se faire ouais, enfermer. C'est très risqué. Et on va retrouver Armand à la remise en jeu. Troisième faute d'équipe pour Ahmed Doumbia. Et on est désormais dans la pénalité. Des deux côtés. Ça y est, c'est fait. Ils n'ont plus le droit de défendre aussi oh, intensément. Allez, ils y vont quand même. Hein. Alexis Argenton. Ils veulent rien lâcher. Pour retrouver Bali. Oh, ah, il l'avait vu. Mais c'était téléphoné. Oh, ça part tout seul Ahmed pour le Den, sûrement. Tranquillement. Ouais, il assure. Il assure. À ce moment-là du match, on ne peut pas se permettre de rater. Il a raison. Allez, 6 points désormais. Il faut jouer intelligemment pour Poitiers. Ne pas perdre de ballon. Aller au bout des 24 et scorer. Ils prennent leur temps, plus que 6 petites secondes sur l'horloge. Le shoot, le cross. Face à Hugo Soir, il va retrouver Bali peut-être. Ah, c'est dommage, Alexis. Oh, il provoque la faute. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très pile bien. Pile au les buzzer. Ça fait plusieurs fois qu'au bout des 24, ils arrivent à trouver des solutions. Ah, mais vraiment pile au bout des 24. Et là, ça devient très dur. Et côté PB, la sortie de Bali Koulibaly pour l'entrée du capitaine Kevin Mendy. On va jouer petit pour Poitiers. Après, Kevin qui reste quand même un joueur de grande taille. Mais qui peut se montrer en tout cas peut-être plus polyvalent que Bali et qui pourrait lui aussi prendre des shoots plus à 3 points. Alors pourquoi ça? Peut-être pour switcher sur tous les écrans. Oui, changer, effectivement. Changer d'objectif défensif, pouvoir être mobile. Alexis D'Argenton propre sur la ligne. Ça fait 8 points d'avance. Il va rester moins de 2 minutes à jouer. C'est maintenant que ça se décide. Les quarts de finale pour le PB 86 sous la belle dimanche entre les deux équipes. Alexis D'Argenton qui va commettre la faute. C'est toujours la même technique d'attaque. Hein. Il demande un pic. Il veut attaquer. Soit ça roule et ils peuvent se retrouver. Soit il va essayer de provoquer la faute sur son dribble. Et c'est ce qui avait fait beaucoup de mal au PV 86 sur la première mi-temps et qu'ils ont eu un peu plus de mal à mettre en place sur la deuxième. Sauf que là, faire faute avant le shoot, avant ça pouvait être bien, ça remettait la balle que sur le côté, mais maintenant c'est plus pareil, c'est rien. Directement des shoots. Oh, ça se parle mal des deux côtés, attention. Faute technique. Faute technique sifflée contre Ahmed Doumbia. Oh, ça se parle de tête à tête. Qui continue. Contre Stockard, Ahmed Doumbia. Alexis D'Argenton qui essaie de venir calmer le et tout. Et qui est-ce qui en demande au public? Ahmed, il va devoir sortir. Il sort son match là. Parce que c'est sa cinquième faute avec cette faute technique. Et il va aller sur le banc, Ahmed Doumbia. Furieux. Plein de rage. Et il va devoir céder sa place. On va retrouver sur le poste extérieur Saounera et Hugo Suar. Doumbia pète les plombs. Ouais, un petit peu là. Il commence à. Et sur à la fin de match, comme ça, c'est compliqué. Alors qu'il y arrivait. Hein. Il provoquait les fautes. Il faisait le travail. Parce que ils ont fait un réel boulot, les Bretons. Mais là, ça suffit pas. Et c'est Poitiers qui est devant. 8 points d'avance. Courtney sur la ligne. Pour donner 9. Ça tombe dedans. C'est réussi. Restez bien avec nous, surtout à la fin du match, on ira chercher des réactions auprès des deux équipes. Ne partez pas après le coup de sifflet final. On ira tenter d'avoir une réaction côté breton et côté poitevin. On va retourner à la faute. Ahmed Doumbia devait shooter ses lancers. Mais finalement, il a été sorti suite à sa faute technique. C'est son remplaçant donc qui va les shooter, en l'occurrence Saounera.
Et ballon récupéré par Lorient. Allez, il faut faire attention, allez. Le match est encore loin d'être fini. Allez, défendre propre. Ne pas arrêter c'est le chrono. Surtout ça. Parce que chaque faute sera sanctionnée. Voilà, ça a pas voulu fermer trop vite. Faut pas faire de faute sur ça. Après, ça se comprend. Faut pas de N1, mais pas de panier facile non plus. Hein. Mais Courtney qui est déjà à 4 fautes personnelles, on comprend qu'il ait pu reculer. Ah, il n'a pas voulu se sacrifier pour l'emmener sur la ligne. Bonne passe, oh, ça joue super bien. Mendy qui monte. Et le N1 ! Kevin Mendy, messieurs dames ! Le capitaine ! On le disait, il réalisait une prestation plutôt médiocre jusqu'ici, mais il sort au meilleur des moments. L'âme du champion, l'âme du capitaine se réveille à 1-22 pour donner 8 points d'avance et peut-être 9 au PB 86. Ça tombe c'est dedans. Il est clutch. Allez, défendre dur, Hugo Soir qui va ressentir sur lâcher le gros shoot. Ouh, c'est dedans. Ça, c'est un gros shoot qui permet de revenir à 6 points. Et ça attention, va rien lâcher, 1 minute 10. Avec 6 d'argent, donc il préfère calmer le jeu. On va retrouver Kiss qui va être pris à 2. Armand Mensa. Il arrive à le passer. Et Courtney, intelligemment, on va aller au bout des 12. Et faute de Quentin Hanck qui va emmener Courtney sur la ligne. Ah, il fallait être agressif en défense pour les Bretons, mais ne pas commettre de faute, malheureusement. Après, pour l'instant, c'est pas encore la patrouille. C'est pas encore ce que ça va donner. Premier lancé franc, validé. Le deuxième lancé franc, c'est dedans aussi, 2 sur 2, c'est validé pour Courtney Stockard. Tout le public qui se lève dans la salle pour cette dernière minute de jeu. Il va aller au bout de Jambo et on va remettre 6 points d'écart. Attention à ne pas perdre de ballon pour le PB. Et faute commise encore. Il va arrêter le chrono. Et il va miser sur la maladresse de Courtney Stockard. Vu ses derniers lancers, je ne sais pas si c'était la meilleure solution, mais ça se comprend. Courtney sur la ligne. C'est validé. Le premier tombe dedans, ça fait du bien. Il y en a un deuxième. Et c'est dedans aussi. 4 sur 4 pour Courtney. Au meilleur sur des cette moments, fin de match. Il est à droit. Saounera va aller provoquer. Et à chaque fois, on va faire ça jusqu'au bout. Si les points de 20 ne défendent pas, attention, parce que au bout du compte, si on ne défend pas du tout. Tant qu'ils répondent pour l'instant de l'autre côté, ça va. Mais il faut marquer. Courtney qui va être prise à 2. Ah, encore une faute, eh oui. Et bien sûr, ça va être on sûr. Va faire tomber les fautes. Hugo Soir commet sa troisième faute personnelle. Et Courtney va augmenter son total de points. Il en est à 16, Courtney. Il va pouvoir monter à 18 et reprendre le lead. Peut-être. Et c'est validé, 17. Oui. On égalise le total de Morgan Durand. Il restera 35 secondes de jeu derrière. Tout le public est resté debout. 2 sur 2 pour Courtney Stockard. 84 à 76. Allez provoquer. Hugo Suard. On s'attaque fort. Face à Kiss, bien défendu. Et là, ça pourrait sentir la fin. Ça pourrait sentir la fin et l'élimination. C'est peut-être l'action qui va faire la différence. Ça y est, ils ont craqué en attaque, les Bretons. Et là... Je voulais pas être trop optimiste, mais maintenant, je crois... On peut pas encore totalement le dire. On attend la fin du match, tranquillement. On va pas mais s'emballer. Ça sent bon, quand même, côté point de vin. Je vous le rappelle, restez bien avec nous, parce qu'on se retrouvera en bord de terrain ensuite pour aller récolter des réactions. Alexis d'Argenton, et bien il va en lâcher un, Alexis. On n'y en aura pas. Oui, compliqué, était dur. Il n'y aura pas, 10 points d'avance pour le PB 86, peut-être 9 après celui-là. Ouais, c'est validé. Et continue.
Allez. Vous êtes 1300 en direct avec nous, merci beaucoup. Plus de 20 secondes, une possession. Faut jouer vite du côté breton. Bien fait. Ça joue intérieur. Et on va scorer avec Jambo. Et temps mort demandé par le coach Andy Turton-Jones. Et il préfère casser la dynamique. Pouvoir prendre son temps. 85-78, 7 points d'avance. On va faire un petit point sur les autres matchs en direct. Alors est-ce qu'on sait encore comment ça se passe de l'autre côté pour qui affrontera probablement du coup le PB86 sur cette suite des playoffs? Pour vous faire un petit récap, Rennes s'était incliné sur le parquet de Boulogne en match 1, mais là il mène de 34 points, 94-60. Ah oui. Ça c'est de la réaction. Ça va faire une belle. 34 points d'écart. Ils étaient revanchards, les Rennais. Ah oui, ils se sont pas laissés faire. Ils vont aller décrocher la belle. Le match 3, ça sera dimanche également encore à Rennes, chez la tête de série entre ces deux équipes. Donc, eh bien, il faudra attendre dimanche pour savoir quelle équipe affrontera potentiellement le PB86 s'il venait à s'imposer à l'issue des 13 secondes, 4 dixièmes. Il reste à jouer 7 points d'avance. Une place pour les quarts de finale des playoffs. Deux équipes qui se bataillent jusqu'au bout. Courtney Stockard qui va être défendu par Hank. On ne veut pas faire la faute du côté de Hank, mais il va finir par ça donne un match très haché, mais c'est compréhensible. À la fin de match, de toute façon, ils sont obligés de l'orienter, de faire faute. Premier lancé franc manqué, ça y est, Contenay interrompt sa série. Il avait été plutôt en réussite sur ces dernières minutes. Et bien ça va faire un tour pour Contenay Stockard. Et on va sûrement aller au bout du chrono peut-être. Avec un dernier shoot d'Hugo Suard à 3 points qui sera manqué. Ça va s'arrêter là, score final 96-78. Et ça le passe 86 est en quart de finale. Oui, la oui, oui. L'étape est validée, le début de l'aventure est lancé. Ça passe enfin validé à 100% pour le PB 86 qui retourne en quart de finale. On le savait, il s'était préparé, il voulait batailler, aller chercher ses playoffs pour tenter une remontée en Pro B. C'est encore loin d'être fini avec des équipes qui sont de plus en plus préparées pour ces playoffs. Allez, Lorient qui s'était quand même très bien battu. Félicitations à eux, merci de nous avoir suivis. À tous dans les commentaires, ne bougez pas. Joris Larignon, votre commentateur préféré, est parti chercher quelques mots d'un des joueurs de Lorient. Fred qui nous dit, en quart tout est possible. Et oui, on sait, l'année dernière, ça n'avait pas porté chance au club. Mais maintenant, tout peut encore se jouer. Il faut y croire, il va falloir être présent dans le gymnase, remplir cette salle Jean-Pierre Garnier, être présent derrière le live. Merci à vous, plus de 1000 personnes connectées en direct sur ce live du PB86. Oui, Skypro qui nous dirait, nous pareil, on va tout donner, ça c'est sûr, il va falloir y aller à fond, ne rien lâcher. Les joueurs savent pas encore leur adversaire, mais il faut néanmoins se préparer. Tous les joueurs qui se sont donnés à 100%, 86-78 sur cette fin de match, incroyable. Courtney Stockard qui a répondu présent, qui finit meilleur marqueur du côté Poitevin avec 19 points inscrits. Juste derrière Morgan Durand qui a su prendre feu. La gâchette Poitevin qui a fait du bien, qui a donné tout simplement une bouffée d'oxygène au club. Le club quand même qui finit à 70% à 2 points, ça c'est très bien.
Par contre, attention au lancer franc. Ils se sont un petit peu rattrapés sur cette fin de match. Ils finissent à 58% et 14 sur 24. Mais c'est encore loin d'être assez. C'est des petits points qui sont perdus, qui partent rapidement. Bougez pas avec nous tout de suite dans un instant. La réaction d'un des joueurs de Lorient avec Joris. Joris, tu nous entends? Ouais, je suis en compagnie de Hugo Suard. Hugo, match compliqué, vous avez longtemps mené. Et puis au final, la tendance s'est inversée du mauvais côté, quoi. Ouais, bonsoir. C'est une déception parce qu'on a le match en main, on est à un moment à plus 10. Et puis on les laisse revenir peu à peu pour craquer dans le quatrième quart-temps. Donc on est déçus là ce soir. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour vous imposer? Je pense un petit peu de réussite. Et un peu plus de sérieux dans la continuité de notre zone. Au final, ils la font exploser grâce à un joueur, hein, c'est Durand. Et on aurait pu être un petit peu plus sérieux là-dessus. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison qui s'achève ce soir? Elle est un petit peu à l'image de ce match. On a eu des périodes où on était très bien. On a été capable d'enchaîner 10-11 victoires d'affilée. Et on a eu des périodes où on était beaucoup moins bien. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Merci Hugo. Et puis on se dit à l'année prochaine. Merci. Voilà les mots, on va retrouver Louis dans quelques instants avec un joueur du PP86 pour retrouver les premières réactions côté Poitevin. Et on se retrouve. Donc Morgane, très très gros match, félicitations à vous. C'était vraiment un match super, le public a su répondre présent. Je pense que ça vous a aussi aidé, le sixième homme était là pour vous encourager. Ouais, carrément, depuis le début de l'année, on attend ces matchs-là, on attend les matchs de play-off. Et franchement, avec un public comme ça, je pense qu'on peut aller loin. Ouais, c'est sûr, ils étaient là, mais surtout un très gros match, belle performance de ta part, 17 points, t'as su dégainer. Tout le monde a répondu présent sur différents postes. Franchement, on vous a senti unis. Est-ce que vous étiez plus préparé pour toi de ton ressenti comparé au match aller? Vous aviez privilégié certaines phases en attaque ou en défense, ça s'est passé comment? Après, quand on joue le premier match contre une équipe, on sait leurs forces, on sait leurs faiblesses, donc on a su appuyer sur ça. On s'est concentré pendant la semaine sur ça à l'entraînement et ce soir, ça a payé. Bon, en tout cas, comme on le disait, on ne sait pas encore qui vous allez affronter sur le prochain match. Mais en tout cas, toutes nos félicitations, c'était vraiment un très beau match. Et puis, on vous souhaite qu'une bonne continuation pour les quarts de finale. Merci beaucoup, venez nombreux. Merci à toi en tout cas. Hop, pardon le petit col qui bougeait. On est bon. J'ai pas de miroir. Non, parce qu'en fait j'avais Paul à la Real qui faisait que me dire le col de Louis dans l'oreillette. Je pense que ça l'a perturbé Louis. Je sais pas si vous avez perturbé derrière l'écran. Je suis désolé, mais Polo d'un côté, je peux pas faire aussi bien, même si je mets bien mon col. Il est tout le temps au top, c'est pas de ma faute. Bon Louis, victoire, 8 points, l'essentiel est là. Un match qui était quand même assez plaisant à regarder. Les shoots rentrés, c'était pas ça au lancer franc. Va falloir le travailler, je pense, du côté Poitevin, mais. Un beau match qui, je pense, a su satisfaire le public de Poitiers. Venu en nombre ce soir, ça a fait plaisir. Une réelle atmosphère des play-offs avec 2200 personnes qui poussent derrière une belle équipe Poitevin. Ça y est, le BB86 a fait aussi bien que l'an dernier. Déjà, ils sont qualifiés en quart de finale. Maintenant, Louis, il reste à faire le plus dur. C'est les prochaines étapes qui arrivent. C'est ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer, contre qui on va jouer, mais il va falloir se donner à 100%. C'est ce que je disais là-haut. Les quarts de finale, c'est, on va dire, un gros palier à passer. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, on est en demi, il y a forcément une atmosphère qui est encore plus présente, encore plus de supporters, on va dire, dans la salle, parce que forcément, on est à deux doigts des finales. Mais là, l'écart, c'est vraiment des très gros matchs qui nous attendent. Va falloir rien lâcher et surtout bien se préparer. Objectif, faire la même épopée que La Rochelle l'an dernier et puis retrouver la Pro B. C'est ça, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir pour ce très beau match de basket. Merci à Gaëtan et Antoine à la caméra. Merci à Polo à la Real. Et à David, son stagiaire assistant Real. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour la suite des playoffs. Merci Louis. Merci Joris. Et surtout, ciao tout le monde. À bientôt. Ciao.